Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour le petit retard. On va dire que ce matin je me suis levée un petit peu en retard. Voilà, bah écoutez, bonjour Doom, tu vas bien? Du coup, voilà, donc aujourd'hui, donc c'est menu, on teste des trucs. Bonjour Gastro. Donc désolée pour le retard. Ce matin j'ai dormi plus que 7 heures. Je suis contente. Donc du coup j'ai tous mes trucs que j'avais à faire. Je me suis activée de ouf. Bonjour Bigfoot. Bonjour à tous les trois. Ouais. Donc du coup aujourd'hui, donc je vous propose de. Ah bah j'ai tout. Ouais, la spéciale gastro aujourd'hui. Ouais. Donc du coup rutabaga, donc on va la mettre en entrée. On va faire une tarte rutabaga. Donc là en fait on aura juste besoin de quelques rondelles. On va voir ce que ça donne. Et donc après je vous propose de faire un poulet avec des filets de poulet. On va faire moutarde de miel. On va mettre ça au four. J'ai jamais testé la cuisson du filet au four, donc on verra. Et ça sera accompagné de légumes rôtis. Donc du coup, on va refaire la patate douce. Au four, c'était juste trop bon. Enfin, Doom, t'avais raison, c'était juste, c'était fondant, c'était voilà, c'était juste top. Donc du coup, on va mettre aussi la rutabaga. Et la rutabaga, comme elle a un goût, bah du coup, j'ai pu goûter hier hein, grâce aux chips. Hein. Elle a un goût plutôt navet. Du coup, on va, moi, j'ai plus un petit peu sucré avec voilà, sirop d'érable, miel et sauce soja pour un petit peu de sel. Voilà, donc voilà pour les légumes rôtis. Et en dessert, nous allons faire un clafoutis framboise rhubarbe. Donc cette recette-là, ça ne sera pas de moi. C'est Yann Couvreur qui l'a fait là dernièrement. Et du coup, en fait, j'ai changé juste 2-3 ingrédients que lui, il avait. J'ai changé donc la crème par du skyr, donc comme d'habitude, hein, protéiné. Voilà, et sinon après, non, je suis restée sur, voilà, sur ce qu'il proposait. Si, alors lui, il met du sucre dedans. Moi, je vais pas mettre de sucre, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Voilà. Skyr Royal. Ouais, tu crois... ouais. Le mojito, il a un petit peu joué, je pense, sur le sommeil. Et le skyr Royal en dessert, ouais. Voilà. Donc, bah, je vous propose de partir. Bah, du coup, j'ai bien dormi, tu vois. Je vous propose de partir. Donc, sur. On va commencer par la pâte à tarte. Donc. Ouais, donc là, ça sera la même pâte qu'on a fait la dernière fois, donc protéinée, puisqu'on va mettre du skyr dedans. Et donc, en fait, on va prendre de la farine, on va mettre du skyr, un œuf, et puis on va laisser reposer au frais. Donc, on fait ça, hein, voilà pourquoi. Ouais, et puis après, tu sais, j'ai pris du retard, donc du coup, hop là, tous les petits trucs que j'avais à faire normalement le matin. Voilà. Donc, désolée. Voilà, bon, bah, c'est parti, on va prendre la farine. Donc pour le plateau apéritif hier, donc il y a tout qui était top, donc sauf vous savez, le muffin carotte. Du coup, en fait, celui du dessert était beaucoup plus aéré, plus moelleux, celui au chocolat. Et donc, ouais, l'œuf, en fait, il a fait la différence parce que je l'ai mis dans le dessert, mais je ne l'ai pas mis dans le muffin apéritif avec les carottes. Et du coup, la prochaine fois, je sais que ouais, je rajoute un œuf et encore plus de tomates séchées parce qu'il n'y avait pas assez de goût de tomates séchées. Voilà, sinon après, donc les cookies étaient juste trop bons. Oh, comment ça en retard? C'est férié là. Ouais, je sais. En retard pour vous en fait. Parce que d'habitude c'est 10 h, tu vois. Voilà. Donc là, du coup, ouais, je suis un petit peu en retard pour vous. C'est pas cool. Je crains le pire avec le manque de sommeil. Je surveille le piment. Ouais, merci Doom. Tu m'étonnes. Donc on va essayer d'assurer, hein. Alors, du coup, donc on part sur notre pâte qui va reposer. Alors, donc on va refaire, bah vous savez, dans l'équivalent de cette. Donc là, je vais partir sur 110 grammes et puis je vais voir quand j'étalerai si c'est suffisant. Alors, on y va. Alors, et ensuite, alors sinon, apéritif, qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier? Un peu 110. Voilà. Attendez. On va pas faire deux choses en même temps. Hein. Du coup, il me faut le skyr. Alors, je tiens à vous dire que mon stock de skyr commence sérieusement à descendre. Donc là, je suis très contente. Mon frigo commence sérieusement à se vider, pardon. Donc là, on commence à se vendre. Je pense que d'ici vendredi prochain, j'aurai pas trop de trucs frais à ramener. Merci Bigfoot, ouais, tout va bien se passer. J'espère aussi. Donc le skyr, du coup, je vais y aller doucement. Hop. Je vais juste en mettre suffisamment pour former ma boule. Et
Allez. Ok. Du coup, ça fait. Donc là, on est à 40 grammes. Ouais, je pense que je vais rajouter encore un peu. Voilà, là, on est à 55. Je vais laisser comme ça pour l'instant et c'est parti. Donc du coup, attendez, je vais chercher ma feuille. Oh, ma feuille. Donc les bâtonnets, forcément, c'était bon. Donc le houmous en fait, type Sébastien Cardinal, du coup, c'était. J'avais changé, lui, il a mis de. Qu'est-ce qu'il avait mis? Donc lui, il avait mis des pois chiches, moi, c'était avec les haricots blancs. Bah écoutez, c'était très bon. Avec la purée de sésame noir et tout, franchement, c'était nickel. Mais j'essayerai avec son liquide smoke parce que ça me donnait trop envie. Et sinon, aussi les petites billes. Alors les petites billes, en fait, on revient sur le problème de la cuisson au four. Vous savez, c'est un petit peu sec, donc du coup, heureusement qu'il y avait la sauce skyr pour accompagner à côté. Ouais, les petites billes, ça ressemblait un peu à des falafels en fait. Mais c'était bon, enfin c'était bon, mais voilà, accompagné d'une sauce. Voilà, donc on avait les petites billes, le houmous, hop, les carottes. Voilà, et le dessert c'était bon. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était plutôt réussi. Alors, du coup, hop. Je vais rajouter mon œuf et comme ça, du coup, je pense que ça va ramasser la pâte. Donc, ça veut dire qu'on aura pas mal de protéines dans la pâte. Très bien. En plus, avec l'œuf, en plus, ce sera parfait. Donc là, c'est plus facile. Hein. C'est comme hier. Hein. Bonjour, mes crins. Donc là, c'est comme hier. C'est plus facile. Quand on peut utiliser l'œuf, c'est juste trop bien. Bon, du coup, on va la travailler après. Donc, quand on n'a pas besoin de le remplacer. C'est quoi les billes? J'ai pu suivre hier. Ah, t'étais à l'hôpital hier, mince. Les petites billes, en fait, on avait fait. Ça va, tout va bien? Les petites billes, en fait, tu sais, on a fait avec des haricots blancs. J'ai mis du skyr aussi dedans. Et en fait, ça faisait des espèces de petites billes apéritives. Et après, on les avait mis au four. Je sais plus, l'assaisonnement, je sais plus ce qu'on avait mis dedans. Et du coup, en fait, au final, ça ressemblait à des falafels. Si on avait mis de la farine de pois chiche, des choses comme ça, c'était bon, hein, mais ça reste encore sec, en fait, je pense. Bonjour, Brombistouflex. Ah, ça ressemble à Ronflex, tu sais, dans Ronflex des Pokémon. Bon, du coup, hop, là la pâte elle est bien, on va continuer à la travailler. Donc ce qui est bien dans cette pâte, du coup on est à 100 grammes au niveau des protéines, on a 11 grammes, on a mis 50 grammes de skyr, donc ça veut dire qu'on est à combien? Donc dans 100 grammes, il y a 10 grammes de prod, donc ça fait 5. 5, 11, 16 plus l'œuf. Bah écoutez, rien que dans la pâte à tarte, on a déjà 20 grammes de protéines, donc on est super bien. Et de toute façon, comme on fait du poulet, hein, forcément, donc là c'est cool, hein, on aura de la protéine de ouf. Donc 100 grammes de poulet, hein, c'est 20 grammes de protéines, hein, donc c'est nickel. Bon, elle colle un petit peu, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de farine. Et en plus, bron, ça vient d'un de mes jeux Pokémon. Enfin bref, la rutabaga, c'est un genre de pomme de terre. Rutabaga, non, c'est pas tout à fait pomme de terre, en fait. Écoute, tu sais quoi, j'ai découvert. Donc ça a été, voilà, c'était le challenge d'un de mes abonnés qui a gagné. Donc il m'a proposé la rutabaga et en fait, je n'avais jamais goûté la rutabaga jusqu'à hier en chips. Oh, les chips de patates douces, c'est juste trop bon. Rutabaga, je pense qu'il faut mettre un peu plus de sel. Pour enlever. Et donc ça ressemble plus au goût, tu sais, de navet en fait. Un peu plus terre. Attends, je te montre. Ouais, donc elle est comme ça. Donc du coup, ouais, là, non, on se rapproche pas. Attends, attends le prochain. Ouais, merci Gastro, mais du coup, tu vois, je teste en fait. Je connais pas. Et t'as vu les chips hier, elles étaient trop belles. Les chips de Rutabaga, franchement. Mais je retesterai en mettant un peu plus de sel. Parce que du coup, elles étaient trop belles. Moi, j'ai remis un tout petit peu de farine et je pense que là, c'est bon, on va pouvoir faire reposer la pâte. Donc, 1 heure à peu près. Je vais la mettre au frais.
Ok, nickel, voilà, elle est parfaite là. Voilà, donc voilà, l'ingrédient miracle qui rajoute encore plus de protéines, franchement, c'est trop bien. Alors, du coup, je la mets au frais. Et ben, on va partir en fait, donc on va partir sur le poulet. On va faire les légumes rôtis aussi, on va préparer les légumes rôtis. Du coup, je mettrai un petit peu d'eau et la marinade dans le four ensemble. Donc ça, il faut à peu près 45 minutes pour que ça cuit bien. On va refaire de l'ail confit parce que voilà, c'est ma découverte là, du confinement, l'ail confit, c'est juste trop bon quoi. Tu as essayé les chips au micro-ondes? Non, j'ai pas encore essayé. Ah, donc c'est bien navet. Ouais, c'est bien ça. Alors, ça a bien le goût de navet. Ah bah du coup, ouais, bon, bah c'est cool. Donc, ouais, c'est possible de faire des chips au micro-ondes, j'avais vu ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. Parce que du coup, il faut juste dessécher. Ah, et en plus, ça serait plus rapide. Ah, mais si, attends, est-ce que j'ai pas déjà essayé une fois? Mais je crois que j'avais galéré de ouf. Si, si, je crois que j'avais essayé. Et en fait, bah oui, comme j'étais intelligente, en fait, j'ai mis tout ensemble. Donc du coup, ça a collé. Alors qu'il fallait disperser et tout. Ouais, si, si, je crois que j'ai essayé une fois. Mais du coup, j'avais pas recommencé. Et donc, la rutabaga, navet, ok. Chou suédois est un légume racine. C'est sa famille des racines. Navet, radis. Et ça résulterait de la fusion de deux génomes, Brassica oleracea. Ok, merci Gastro. Wiki Gastro. Ouais, on peut tout faire au micro-ondes, c'est fou, hein. Rapide, non, et petite quantité. Ouais, donc c'est rapide, non. Ah, donc au four, au final, c'est bien. Donc on se lance sur nos légumes rôtis. Alors là, j'ai différents plats. Alors, je vais vous proposer déjà de faire les rondelles de rutabaga pour la tarte. Donc, du coup, j'avais utilisé une partie hier pour les chips. On va éplucher cette fois-ci. Parce que la peau, elle est quand même épaisse. Hein. Des schémas dans C'est pas sorcier, excellent! Hop là. Mais ça fait sécher du cuir. Oui, bah du coup, ouais, ça sèche les aliments. La patate douce, on m'a la laissée avec la peau, c'était trop bon. On l'avait fait. Donc les petits dés et en rondelles aussi. Mais j'ai préféré en fait là, quand elle est en entière. Oh là là. Oh là là, c'était trop bon. Donc du coup, je vais la laisser en entière. Là, je lave juste la peau. Elle est bio. Donc du coup, c'est bon là au niveau de la peau. Hop. Donc la peau, hein, je rappelle que essayez de la garder un maximum, il y a tous les nutriments qui sont dedans. Et rutabaga, valeur pour 100 grammes. Ouais, c'est un aliment, je pense, on peut y aller, qui ne fait pas grossir. Oui. Et au niveau des fibres, ok, on est bien. Potassium, génial en hein, potassium. Truc de fou. 305, ouais, génial. Donc il y a un petit peu de sucre hein, quand même, il y a 9 grammes. Ah bah quand même, on sucre. Ouais, grave. 9 grammes. Alors, du coup, hop, mon économe. Encore faudrait-il que je le trouve. Alors, où es-tu? Il est là. Alors, ça, je vais mettre là. Du coup, comme ça, je gagne de la place. Ouais, donc du coup, je vais éplucher ça. On va faire les tranches pour la tarte. Je vais les mettre en rondelles, vous savez, sur la table pour que ça fasse un petit truc joli. Et je vais faire ma petite poubelle. Hop. Oh la vache, Gastro, t'es un monstre niveau rutabaga. Bah ouais, attends, c'est lui qui a mis le rutabaga à l'honneur. Ouais, contrairement à la peau de poulet, mais attends, mécra, la peau de poulet, quand c'est rôti, quand c'est grillé, c'est bon. Mais c'est vrai que j'évite de la manger, même si c'est très très tentant. Mais une fois de temps en temps, hein. Allez. C'est trop bon quand la peau est cramée. Ouais, je suis d'accord, Gastro, exactement. C'est ça. Bon, ça va, ça s'épluche plutôt bien. Ok. Je découvre. Je découvre. Et Doom, et Bigfoot et tout, vous n'êtes pas encore. Vous n'avez pas utilisé vos calories perdues? Hop.
Voilà, je vais prendre ma trancheuse, ça sera beaucoup plus simple, comme ça j'aurai des tranches régulières. Et ça sent vraiment la terre, hein, c'est fou, hein. Ouais, grave. Merci, tu viens de résoudre un sacré problème, mon grain de ma peau de poulet. Et non, sucrerie, petit plat. Alors du coup, ma trancheuse. Bah c'est parti, on va faire les cubes. Il faut que juste des tranches pour mon moule à tarte. Ah, qui est là. Je pense qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Ça doit. Non, je vais en poser 4. Ah, d'accord, ok, Bigfoot. Super, hein? 4 en même temps. Et il va falloir que je les marie ensemble, quoi. Ça doit être ça, ouais. Moi, je vais essayer de récupérer que des belles tranches. Non, il faut que je fasse plus épais. Je veux des tranches comme ça parce que là, du coup, hop, elles sont un petit peu moins. Bon, elles me serviront de complément si j'ai besoin. Donc, une. Je vais faire un tout petit peu plus épais. Voilà. Ouais, voilà. Hop, parfait. Bah ouais, parce que je refais pas des petits chips rutabaga, c'était quand même c'était particulier quand même. J'ai une nouvelle excuse, je vais pouvoir manger des burgers. Ah bah ouais, nickel, bah génial, Doom. Ou sinon j'hésite, un stream où tu n'utilises que le mixeur ou que la hache. Ah, la hache, c'est vrai qu'elle est bah j'ai pas ressorti depuis, hein, j'ai sorti qu'une fois, hein. Ok, et donc Doom, ça va, tout va bien? Bah écoute, on va faire notre préparation, on va mettre nos légumes dans le four et lui, je vais le couper en quartier, je pense. Je pense pas le laisser en entier, même si c'est joli, hein, franchement, parce que je ne le laisserai pas en entier. Et je récupère ça en quartier. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Comme ça, on se prend pas la tête. Hop, on met juste les... plus un pour Big. On met juste au four et c'est nickel, c'est hyper rapide. Bon, la vitro. Voilà, donc il n'y aura pas de matière grasse, on va mettre aucune matière grasse, sauf je vais mettre du sirop d'érable, en fait on va l'arroser, je vais remettre des petits un oignon, vous savez qu'on va couper en rondelles, c'était bon. Alors donc lui il a sacrément germé. C'est mes oignons qui les oignons du confinement quoi. Faut que je mange un peu, j'ai perdu beaucoup de muscles cet hiver. Oh bah c'est cool, tu vas pouvoir te rattraper, c'est trop bien. D'accord, ok. Et ouais, les muscles. Full mute, non, vous déconnez, ou tu te plantes, ouais, c'est clair, mais c'est ça en fait. Je crois que je peux le planter, hein. Du coup, comme ça a germé de ouf. Bon, on va pas l'utiliser, hein. Et donc, du coup, ouais, donc Doom en fait, ouais, pour tes muscles, ok, tu vas pouvoir remanger plus. Donc, tu vas repasser à des quantités un petit peu plus supérieures que 150 grammes sans faire de gras, ouais, bah oui, évidemment, ouais, ok, ça marche. Bon, bah, l'oignon, ok, je vais le planter. Tu le fais en dés et tu manges ça à l'apéro avec une sauce moutarde. Ah, tu parles de rutabaga? On dirait un Pokémon ton oignon. Mais oui, c'est vrai, on dirait un mystère. T'as raison, c'est vrai. Excellent. Donc en petit dés avec une sauce moutarde. Cru? Je t'avoue, c'est particulier comme goût. On va le mettre au four, hein. On va mettre une petite sauce par-dessus. Voilà. Alors, je vais mettre donc mon neige chemisée. Du coup, alors ma poubelle. Là, c'est pour le compost. Ah, il est beau celui-là. Du coup, je vais mettre mon... je vais enlever ça et je vais mettre le reste. Bon, j'ai toujours pas vu mes petits grelots, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire. Bon, je couperai avant, hein, je vous rassure. Vous n'allez pas me regarder pendant une demi-heure à couper, éplucher les petits grelots. Non, pas cru. Ah, ok, sauter en fait.
Donc je fais sauter ouais. Ça, ok, on mousse de rutabaga, c'est vrai, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est vrai, vous avez raison. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Mais mes rondelles, celles qui vont passer au four, faut que je les mette dans l'eau. Ah bah oui, faut que je les cuise un peu. Bah merci, c'est vous qui venez de me faire penser qu'il faut que je les cuise. Bah purée, n'importe quoi. Ok, bon bah c'est parti. Du coup c'est celui-là. Voilà, juste les faire prendre un peu. Bah, c'est un peu comme le système de l'asperge, hein. Donc pré-cuire avant four. Après les chips c'est le mieux je pense. Ouais, je pense que les chips, je suis d'accord. Et du coup j'allume le four. Et je pense qu'on va faire... Je vais mettre des petites chips à côté. Et du coup on va mettre du sel. Je vais voir si c'est meilleur qu'hier. Comme ça, vous verrez quand elle se rétracte, comme elle est trop belle. Alors attendez, je vais terminer avec ça. Alors, du coup. Voilà, du coup, on va remettre un petit peu d'huile d'olive. Et là, je l'ai laissé dans... Hop, je vais récupérer ça. Et on va bien mettre du sel. Je vais laisser mariner un petit peu. Un bol. Et je crois que j'aurai besoin de celui-là. Maintenant, pour bonne de table. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va ajouter. Hop. Et je vais récupérer ça. Je serais curieuse de goûter les chips. Ouais. Bah, tu vas voir. En plus, elles sont trop belles. Alors, au niveau présentation, franchement, c'est les plus jolies. Et chips de patates douces, hier, c'était top. Franchement, c'était trop top. Alors, du coup, je vais mettre du cumin. Et là, on va partir sur du gros sel, sur la fleur de sel, avec l'huile, que ça s'accroche bien. Mon huile d'olive. Donc, normalement, c'est sans gras, hein, mais là, on va juste un petit peu imbiber les chips, histoire de donner le croustillant. Et j'espère juste que je n'ai pas fait trop ébler. Bon, on verra. En soupe, c'est terrible. Ouais, j'ai un petit peu de mal avec le goût de rutabaga quand même. C'est... Ouais. Du coup, c'est bien, j'aurais testé. Le navet est plein de fibres. Alors, attends, pour le houmous, donc qu'est-ce que tu me dis? Le navet, ouais, il y a plein de fibres. Il me semble pas certain qu'un houmous sans gras, ça marche. Ah! Le houmous, ouais, il faut un petit peu de gras. Mais si, si. Ouais, tu sais, en fait, moi, j'utilise le gras, en fait, de la purée de sésame. Alors, je sais pas si on se comprend. Ah ouais, c'est pas une blague. Plus en mâchant que... Bah du coup, c'est comme les viandes, en fait, la protéine, ouais. On brûle plus de calories en mangeant de la protéine qu'en mangeant les autres ingrédients. Enfin, en tout cas, voilà, ça travaille plus, quoi. Ok, donc du coup, là, j'ai mis mon sel. Donc, je vais mettre du cumin et je vais y aller. Voilà. Mon gros sel. On va partir à 180 parce qu'hier les 200 degrés c'était pas une bonne idée. Ok. Voilà, du coup mon gros sel. Et je bug, je crois que je vois le message 2 heures après. Ah bah mince! Donc c'est ton ordi qui bug, ouais? Non, alors du coup, non, non, surtout pas. Hein, le régime du camp, il est pas du tout approprié en fait. Enfin, il n'est pas approprié. En fait, il peut s'avérer très, comment on dit? Nocif pour certaines personnes en fait. Si tu manges trop de protéines, ton corps il supporte pas. Donc du coup, voilà. Et il me semble que dans ce qu'ils appellent la phase d'attaque, tu manges que des protéines du matin au soir et tu manges aucun autre ingrédient. Et donc du coup, voilà. Donc il y en a pour certains, ça peut être un choc pour le corps. Mais le régime du camp, ce qui est pas terrible, c'est qu'au final, tu perds. Ce qui est bizarre. Hein. Je te dis ça parce que je l'ai testé en fait. C'est avant mon rééquilibrage alimentaire, j'avais testé. Et en 3 semaines, j'avais perdu allez, 3-4 kilos. Mais c'était à l'époque où je faisais pas trop de sport. Ouais, ça doit être ouais un petit peu comment je dirais. Ouais, effectivement.
Donc je l'avais testé et en fait à partir du moment, donc première semaine ils appellent ça la phase d'attaque, donc tu manges que des protéines, même je crois pendant 2 semaines, je sais plus, et petit à petit en fait tu réintroduis les ingrédients comme les légumes, les fruits, les glucides, enfin voilà, donc petit à petit tu réintroduis ça. Mais en fait, ce qui s'est passé moi c'est que en 3 semaines j'étais hyper contente, j'avais perdu je crois que c'était même 3 kilos, enfin c'était violent quand même, hein. Et du coup, après, j'ai recommencé à manger normalement et je me suis dit, ouais, mince, vas-y, remets les légumes, remets. Enfin, ça faisait pas grossir normalement et tout. Et du coup, j'ai tout repris. Ben voilà, j'ai repris les 3 kilos en même pas une semaine, donc j'ai dit, le régime du corps, boum! Et c'est surtout que ça fait perdre du muscle. Et ouais, ça fait perdre du muscle et c'est comme ça que ton poids il faut. Alors que voilà, si tu manges bien tous les jours, du coup, ton muscle, tu peux le construire. Ben voilà, il reste construit, c'est ça que je veux dire. Voilà, il reste construit. Et donc tous les régimes là qu'on voit à la télé, c'est tout ce que vous voulez. En fait, vous allez être content parce que sur la balance, vous allez voir que vous perdez. Mais en fait, ce que vous perdez, c'est du muscle. Et le gras, il reste en fait. Hein. Le régime Big Mac. Ok, mais healthy, s'il te plaît. Mais tu prends un steak haché à 5%, tu peux faire la sauce Big Mac et le pain, voilà, tu sais, un petit burger healthy. les protéines, alors en fait, sache que ton muscle, tu le perds, même si tu manges des protéines et que tu l'entretiens pas, c'est-à-dire que si tu le fais pas travailler, ton muscle, en fait, ça change rien, en fait. Enfin, il bouge pas, enfin, voilà, il fait rien. Bonjour, Ichine. Ouf, je ne mange pas de graines. Alors si, il faut manger des graines, alors surtout les tournesols, là ce qu'on a mis sur les burgers, celles-ci aussi qui sont top, les graines de lin, à l'apéritif, vous mettez ça et tout, c'est rempli de protéines. Hein. Bon, ça fait grossir, hein, 100 grammes, enfin c'est simple. Pour vous donner une ordre d'idée en fait, dans tous les hop, oléagineux, donc là c'est les noix de cajou, 100 grammes c'est à peu près 600 calories. Voilà, donc vous en mangez un ou deux, et vous pouvez vous faire un petit apéro avec une petite poignée et tout, et ça vous fait, il y a 20 grammes de protéines, hein, donc c'est... Voilà, c'est des petits. Attendez. Donc là, vous m'avez en gros plan, vous avez de la chance. Hop, je me recule. Voilà. Hop. Donc la rutabaga, c'est bon. Les chips, c'est bon. On va juste terminer ça. Et on va mettre au four. Alors, on va mettre les boulettes. Voilà. Ah oui, le petit gros lot, il y a plein de gens. Ah bah voilà, il y a de l'amande d'oignon. On avait dit, qu'est-ce qu'on met d'autre? Voilà, salade, oignon, ail, c'est bon, rutabaga, on va la mettre comme ça. Un bûcher mécréant, j'ai mal à la cuisine. Hein? T'as mal à ta cuisine, pourquoi? Au bûcher mécréant, ouais, tu m'étonnes. Bah justement, ouais, c'est pour ça que tu vois, le truc du camp, c'est pas bien du tout. Faut vraiment que tu fasses du sport en fait. Quand j'étais en maternelle, je faisais des tableaux avec ça. Avec quoi? Attends, là j'ai pas suivi. Attendez les gars, je sens que ça monte au cerveau. Elsie, tout ça c'est chaud. Ouais, tout ça c'est Elsie. Bon, ça va. Là. Ok, donc là on est bon. Et pour combattre les muscles, en fait, même si vous mangez une tonne de protéines, en fait, si vous ne faites pas attention à, comment ça s'appelle, au gras, c'est-à-dire être en déficit calorique, on ne verra jamais vos muscles. Donc ça, c'est une phase aussi où il faut que, voilà, faut éviter un petit peu de gras. 200-300 calories en moins chaque jour. Et 1 kg de gras, vous le perdez à peu près en un mois. Et du coup, en fait, ce gras qui part, en fait, qui est brûlé, permet en fait de laisser la place à vos muscles. Est-ce que le pâté de campagne et le six c'est healthy? Alors, alors, tu sais quoi, je kiffe le pâté de campagne et tout ça. Si tu prends une fois de temps en temps, oui. On a le droit. Alors, vous savez qu'on a le droit à un cheat meal hein, par semaine. Hein. Et donc, pendant ce cheat meal, vous mangez ce que vous voulez. Ça permet de rebooster votre organisme. Pas qu'il s'habitue à se dire, ah bon, je vais avoir ça à manger. Donc du coup, vous faites un bon cheat meal et là, du coup, hop, ça repart. Vous allez grossir pendant 2-3 jours. En fait, vous allez avoir la sensation d'avoir pris peut-être 2-3 kilos, mais en fait, c'est juste de l'eau. Et après, au bout de 2 jours, en fait, vous avez tout reperdu.
Et là, comme ça, en fait, ça a reboosté votre corps. Et le cidre, ouais, le cidre, c'est bon aussi, si, le cidre aussi, avec une bonne petite crêpe et tout. Donc là, on est bon. Ma sauce, ma petite sauce. On va partir sur pâté de campagne cornichon avec un bon pain, avec de la farine blanche. Ouais, c'est très bon. Je suis d'accord. Bon, bah, ça va alors. Ouais, tu vas. Tranquille. Alors, donc, on part sur sirop d'érable. On va sucrer un peu. Bon, la patate douce, elle n'a pas besoin forcément d'être sucrée, du coup. Je vais plus mettre sur la rutabaga. Et on va mettre de la sauce soja. Je vais faire la marinade à côté. Donc, si vous voulez gagner des petites calories, par exemple, sur votre vinaigrette, bah, vous prenez de la sauce soja à la place de votre vinaigrette. Sur la semaine, bah, ça vous fait gagner pas mal de calories. Voilà, donc sur la semaine, en fait, il faut juste que vous disiez, bon, si vous voulez perdre du grain, un kilo de grain, donc c'est à peu près 7000 calories, donc ça fait 2000, voilà, il faut que vous enleviez 2000 calories par semaine dans ce que vous mangez. Par exemple, si vous mangez 3 paquets de chips, vous les enlevez, et vous allez voir, vous allez perdre votre grain au bout d'un mois. Bon, bah, de toute façon, le muscle, il prend de la protéine pour se développer. Mais... Ouais, tu sais que bah, les glucides, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément besoin, parce que les glucides, en fait, ils sont produits par... comment on appelle ça? C'est l'estomac qui va réguler tout ça. Donc si tu manges pas trop de glucides, c'est pas grave. Voilà, donc je pars sur... Bon, là, on est bien. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ok, donc j'ai mis la sauce soja. Voilà, je pense que je vais remettre une autre cuillère. Ouais, une demi-cuillère. Donc du coup, j'ai bien arrosé ma rutabaga. Hop. Je vais en mettre un petit peu sur mes oignons. Ouais, c'est surtout pour la rutabaga, en fait. Hop. Et du coup, après, je vais mettre de l'eau, juste de l'eau. Et comme ça, il n'y a pas de matière grasse. Là, on est bien. Et après, bah, si on a un petit peu de sauce, je viendrai arroser les... On arrosera pendant la cuisson. En fait, je crois que ça sert à rien ce que je viens de faire. Ouais, je pensais que ça allait laquer et tout, mais on va être que dalle en fait. Bon, écoutez, c'est pas grave, on aura une petite sauce pour arroser en tout cas. Ok, donc du coup, je le mets à 180. Le régime du camp en tartinant ton steak de Nutella, ça passe. Ouais, je suis pas sûre. Et alors attendez, ouais, c'est ça en fait qui est important. Hop. En fait, c'est ça qui est important, c'est parce que les régimes, en fait, vous allez vous priver de plein de choses que vous aimez, alors que c'est voilà, forcément, vous allez recraquer et à un moment, vous allez reprendre. C'est pour ça que le rééquilibrage alimentaire, c'est hyper bien parce que du coup, vous pouvez vous faire 2-3 petits plaisirs, donc un gros cheat meal par semaine, où vous faites 2-3 petits plaisirs et en fait, vous mangez pas tout le temps ce que vous voulez. Et le Nutella, oui, une fois de temps en temps, bah, je l'ai en petit déjeuner. Attends, donc pour laquer, ouais, d'où? J'étais sûre que tu allais pouvoir m'aider. Pour laquer sauce soja épaisse. Ah, ok, d'accord, super, merci. Et trier pour gagner un peu de muscle, ça me tue. Alors, attendez, bah, attendez, je remonte un tout petit peu. Je te vois bien avec un crop card. Ok, okay, donc plat national de Kaamelott. Ah, c'est quoi? Le cétriard pour gagner un peu de muscle. Du coup, les gars, je suis désolée, je suis pas. Et la mayo, bah oui, bah on peut faire la mayo healthy. Et le burger de 50 kg qui est juste génial. Parce que du coup, vous avez vu quand même, enfin, ouais, enfin, tout ce qu'on cuisine et tout. Et bon, ça va, je vous ai dit que j'avais l'impression d'avoir un petit peu grossi. Bon, ça, c'est plus parce qu'il y a moins d'activité. Mais voilà, du coup, ça va, j'arrive à garder la ligne. Et pourtant, on se prive pas. Hein. Avec les petits gâteaux, les petits cookies, les muffins, là, franchement. Voilà, donc rééquilibrage alimentaire, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, enfin voilà, si vous voulez perdre le gras, en fait, vous faites ça pendant un an. Moi, c'est ce que j'ai fait. 50 kilos de pur bonheur, ouais, c'est clair. C'est les mojitos à cajette. Du coup, la bouteille, elle est finie. Mais mojitos, je conseille, hein, plein de vitamines.
Il y a du citron vert, il y a de la menthe, tout ce qu'il faut. Voilà, donc il y a des vitamines, c'est parfait. Voilà, donc du coup, ça c'est bon, c'est prêt. On a lancé les légumes et du coup, je vais mettre les chips. Alors, petit papier, c'est hyper mignon. Et je vais les mettre à côté des légumes parce que du coup, c'est la même chose, c'est le même temps de cuisson. Alors, on y va. Voilà, parfait. Bon, du coup, j'espère qu'elles vont faire comme hier, hein, se rétracter comme une jolie fleur et tout. Alors, j'ai une strat pour ne pas perdre trop de gras, c'est que je mange un jour sur deux un seul repas. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, tu fais le. Ah, j'entends beaucoup parler du jeûne intermittent, mais là, c'est pas pour faire régime normalement. Mais non, tu peux pas manger un jour sur deux, c'est pas possible. Bonjour, cafard. Ça va? Tu sais que tu peux manger. Bah non, mais non, c'est pas bien. Tu peux manger tous les jours et tout et tu perds du gras, hein. J'ai un bon métabolisme de base. Ouais, d'accord, mais je fais ça. Attends, je fais pas ça pour le poids ou quoi. Ok, bon, bah écoute. Bon, après, c'est une méthode, hein, et puis c'est en fonction de ce que les. Enfin, ce que vous. Ouais, voilà. Chacun fait comme il veut, en fait, hein. Je vais bien, merci. Et toi, notre trésor. Oh, merci, c'est gentil, Cafard. Bah écoute, ça va bien. J'étais un petit peu en retard ce matin, mais ça va. Bah, c'est bien, c'est pas bien, c'est ça. Bah c'est ça en fait, parce que après le jeûne intermittent, d'après ce que j'ai compris, ce qui est positif, c'est qu'en fait, vous faites que deux repas, je crois, dans la journée. Donc du coup, en fait, votre corps, il travaille moins. Parce qu'en fait, quand votre corps, il travaille trop, donc il y a des cellules. Alors comment dire En fait, les cellules se reproduisent tout le temps, d'accord? Et donc, si par exemple vous faites 3 repas ou 4 repas, les cellules vont continuer à travailler tout le temps. Et donc, du coup, en se reproduisant, il y a des risques en fait voilà, qui est des espèces de cellules cancérigènes ou des choses comme ça. Donc, c'est à force de se reproduire qu'on peut arriver à une cellule cancéreuse. Donc, du coup, le jeûne intermittent, c'est intéressant pour ça parce que vous faites que 2 repas. Et du coup, en fait, votre corps travaille moins. Donc après, ils disent que voilà, que c'est un effet sur la santé à long terme. Voilà. Bon, moi, je mange 3 repas, hein, voire 4. Allez, hop. Bah, c'est bien. Ah, okay. Pas grave, je ne suis jamais. Bon, ouais, donc pas grave qu'à faire, c'est clair. Déjà, manger matin, midi, soir, c'est un régime en soi. Ouais, je suis d'accord, parce qu'en plus, il y en a plein qui mangent entre les repas et tout. Alors ça, c'est vraiment un truc que je ne fais jamais. Et vous savez, les trucs à l'extérieur et tout, là, les glaces, les je sais pas trop quoi et tout, je vois tout le temps les gens qui font la queue de ouf. Et alors moi, c'est vraiment le truc qui ne m'a jamais, ouais, jamais, jamais, jamais tenté. Parce que aller payer un café, genre, je suis désolée, hein, peut-être que vous le faites, hein, un café au Starbucks, à, je sais pas, 5-6 euros, ben, mon Dieu. Payer une glace, pareil, à 5-6 euros, oh, enfin voilà, autant, je sais pas, je préfère faire autre chose. Hein. Non, truc en... Ouais. Du coup, donc on est bon, on a mis les légumes. Il va nous rester le poulet. Bah, le poulet, en fait, ouais, ça va prendre une vingtaine de minutes et après on passera au clafoutis. Alors le poulet, hop, je vais aller chercher. On va le mettre dans ce plat. Du coup, lui, on va le faire à la moutarde et avec du miel. Mon petit filet de poulet. Ouais, alors là je suis pas très bien organisée. Voilà, c'est les cellules quand elles se dupliquent, ouais, c'est ça. Alors du coup, donc là il y a un petit peu de gras, donc on va l'enlever. Donc là c'est 2 beaux filets. Hein. Donc je crois qu'on était à 400 grammes, je crois, le paquet ou un truc comme ça. Donc là nous avons 80 grammes de protéines. Oh. Bonjour Marie Tourelle. Si tu fais ça quand tu fais le tourisme en vacances, c'est bon. Ouais, quand tu fais le tourisme, ça je suis d'accord. Ouais, quand tu vas dans, tu sais, les espèces de. Ça c'est ce que je kiffe en fait. Moi bon, j'appelle ça, tu sais, les petits bouibouis et tout, et c'est vrai que c'est eux qui ont les spécialités. Ouais, mais tu vois, je n'irai pas dans les chaînes, par exemple les chaînes américaines et tout, c'est hors de question quoi. Mais oui, je suis d'accord, les petits bouibouis et tout, ouais, je kiffe.
Une barbe à papa géante. Ouais, non, trop de sucre. Trop de sucre. Du coup, donc là, hop, on va prendre notre petit couteau et on va enlever tout le gras qui n'est pas nécessaire. Hop là. Donc demain, vous aurez aussi filet de poulet. Et du coup, on fera la technique pour faire, vous savez, la viande comme chou kebab en fines tranches. Nous, on n'a pas le rôtisseur et tout, mais j'ai regardé une vidéo du roi du kebab. Et lui, en fait, il donne la technique. C'est ce qu'il fait chez lui en confinement en ce moment. Oh, merci. Merci, Marie. Merci pour le sub. Ah, génial. Merci. Merci, Marie. Ah, c'est trop gentil. Merci. Je suis trop contente. Vous me déchirez. Merci. Ah, t'es trop gentil. Merci. Donc hier c'était mes crins. Ouais, merci. Voilà, trop gentil. Bon bah du coup, voilà. Donc ça fait comme hier. Ça va être le petit moment d'émotion et puis après, on va se ressaisir. Voilà. Hop. Voilà, du coup. Voilà. Donc là, je ne dis plus rien. Et il y a le gros chat, ouais, ça y est, vous avez le gros chat. Alors ce matin, je sais pas ce qu'il avait, mais bon, il était là jusqu'à temps que je branche le stream. Et il tournait, il tournait, il tournait, je sais pas ce que... Et donc je n'ai rien trouvé, hein, je vous rassure, je n'ai rien trouvé en dessous des meubles, donc il n'y avait pas de bestiaire ni rien du tout. Donc je sais pas ce qu'il avait à tourner hier. Bon, ce matin, il a recommencé aussi. Mais pas ici, il est plus dans le salon. Puis il s'est mis à miauler de ouf. Là, et voilà le melon qui arrive. Non, le melon, t'inquiète pas. Voilà. Non, ça va, je l'ai pas. Bah, de toute façon, ça sert à rien de se la péter. On est tous pareils, hein, au final. Hein. On vit. Enfin, voilà. On est tous pareils. Ouais. Et il faut ceux qui se la pètent parce qu'ils ont plus d'argent et qui se croient importants, franchement. Dis-toi que t'es un être vivant, quoi. C'est tout. Et il y aurait plus de respect, je pense, si les gens arrêtaient de te la péter. Voilà. Donc du coup... C'est bon. Donc nos petits filets de poulet, ils sont bons. Moi, bon, j'aime d'ailleurs, je les fais à l'éthanol. Tu te moques de moi, là. Mes chats font ça aussi, je crois qu'il faut pas chercher à... Ouais, ouais, non mais grave. Et tu sais, Marie, donc moi, ce que je kiffe, c'est regarder... Donc il y a mon chat, il y a une espèce de baie vitrée, là. Et en fait, il se met derrière la baie vitrée, et puis bah, il pose ses fesses, et puis après, il va juste changer d'endroit, et puis en fait, il va encore. Enfin, je sais pas, mince. Enfin, bref. Enfin, voilà, bref. Il peut rester des heures à regarder un truc, et voilà, je comprends pas en fait, je comprends pas. Bref. Oh, bah, je sais pas si tu me comprends, mais voilà. Ouais, mais oui, mais c'est normal, ta gastro, c'est vrai, t'es le roi. Ouais, il guette, c'est ça. Merci Bigfoot de m'aider, ouais, c'est ça. Il guette. Puis il va juste changer de position et puis il va regretter. Et ce matin, attendez, parce qu'il est sorti. Et en fait, il a eu peur parce qu'il y a un oiseau qui s'est envolé. Et du coup, en fait, il s'est pris la fenêtre. C'était trop drôle. Bon, c'est pas gentil, hein, mais c'était trop drôle. Et il a tellement fumé que boum, il n'avait pas fait attention. Je veux des murs, je te les sors depuis... Tu te fais des murs, je te les sors. Bon, ça va, t'as pas trop grossi alors. Enfin, normalement, on grossit un peu hein, si on se fait des murs, je te les sors. Hein. Ouais, c'est ça, il gratte, ouais. Ouais, ouais, moi aussi, il le fait. Ouais, grave. Mais maintenant, il aime bien se mettre à... Comme si c'était... voilà, il se met dehors. Et puis, il miaule, il miaule, il miaule. Et puis après, bah, du coup, j'arrive. Hein, parce que je comprends que monsieur veut sortir. On arrive à bien communiquer. Du coup, mon chat ne fait pas partie des animaux qui sont tristes en confinement. Moi, il se découvre, il s'épanouit. Je suis mais ravie. Il est trop mignon, trop mignon. Donc ouais, enfin avant, bah, il sortait pas, bah, en fait, en appartement, du coup, ouais, il... voilà, après, il y a le petit jardin, là, il commence un petit peu à sortir, et puis là, il va de plus en plus loin et tout, donc ouais, ouais, il se découvre, le pépère, il a 15 ans, il se découvre à 15 ans. Il réfléchit au comportement, qui parle à son téléphone, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Team chien, non, team chien. du coup, attendez, moutarde. Donc, on va partir sur la moutarde. Moutarde, moutarde, j'y ai sorti. Non, non, on va faire les graines de moutarde.
Du coup, bah, je vais partir sur ça et je vais rajouter des graines. Je voulais, ouais. Moutarde à l'ancienne, je pense que ça aurait été pas mal aussi. Donc là, en fait, du coup, on va juste badigeonner. Donc, on va mettre moutarde, un petit peu de miel. Je vais peut-être faire la sauce à côté. Ouais, on va faire la petite sauce à côté. Alors, une bonne cuillère à soupe. On va mettre les graines. Ensuite, on va mettre un petit peu de miel. Voilà, ça fait une bonne cuillère à soupe de graines aussi. Bon voilà, hein, c'est simplissime, hein, poulet à la moutarde, vous connaissez. Hein. Là, si tu réussis bien, tu pourrais être très jeune, mine de rien. Ah oui, je parais jeune, ouais, bah ouais, j'ai 32. J'ai 16, non tu... Bah écoutez, si vous pensez que j'ai 16 ans, moi ça me va. Hein. Ouais, et puis j'aime bien quand on... Bon, on n'a plus le droit de dire mademoiselle, mais c'est vrai quand on me dit bonjour mademoiselle. Et je me dis, ouais, non, mais ouais, j'ai pas 20 ans, mais ouais, du coup ça paraît. Ouais, c'est le healthy, le sport. Ah, tu me donnais 22. Alors attends, parce que là, il y a le melon qui va monter. Ouais, merci gastro, mais le chat, on va pas le manger en fait. Il y a trop de gras dans le chat. Oh, quoique, ouais, ça va fondre sur le barbecue et tout. Ouais, mais il restera pas beaucoup de viande, je pense. Alors, du coup, on va partir sur mon miel. Ouais, j'avais sorti l'autre et tout, mais l'autre, je me suis dit, je peux plus le garder pour tartiner et puis ça, bah, plus en cuisson en fait. Parce que j'ai deux miels, j'ai celui-là. Ouais, voilà, il y a celui-là, truc royal, je sais pas trop quoi, et j'ai celui-là. Donc j'ai pris plus celui-là en cuisine et je me suis dit que celui-là, bon, plus en tartine quoi. Voilà. Donc du coup, j'avais fait la photo avec ça, mais en fait, on va utiliser ça. Okay. 47 morts de... après 32, c'est. Ouais, 32, c'est jeune, ouais. Ouais, c'est jeune, oui. Mais tu sens, tu sais que ça se rapproche. Voilà, ça avance, quoi. Qu'on se rapproche plus, voilà, on va se rapprocher de la quarantaine. Mais en même temps, moi, je le vis bien, hein, franchement. Voilà, il faut vivre chacune de ces périodes, chacun de ces moments, et comme ça, on est juste content. Voilà, de sa petite vie. Du coup, voilà. La sauce, on va mettre un petit peu de thym. Voilà. Et un petit peu de curry. Alors, mettre un petit peu de thym. Oh non, ça je le mettrai après. Alors, attendez, on va déjà mélanger. Donc, du coup, entre le sirop d'érable et le miel que j'ai mis un peu partout, bon, je crois que c'est pour adoucir le. Comme j'ai goûté la rutabaga hier, c'était pour adoucir le goût. Toujours le bête-nom pour une femme, c'est la fin. Oh, merci gastro. Ouais, à 30, c'est la fin. Tu parles. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus épanouie à partir de la trentaine. Tu sais ce que tu veux. Quand tu as 20 ans, bah, voilà, tu te cherches et tout. Enfin, voilà, il t'arrive des histoires et puis bon, c'est la fin du monde quand tu as 20 ans. Mais quand tu as 30 ans et que tu vieillis et tout, enfin, franchement, moi, je me trouve 10 fois plus épanouie parce que je sais ce que je veux. Donc, du coup, bah, je suis bien en fait. Donc c'est pas mal la trentaine. Les mamans ça compte. Attends. Ce sera l'instant philo de la journée. Ouais, tu m'étonnes. Elle avait 55, elle était d'une beauté, d'une jeunesse, tu peux même pas imaginer. Eh ben écoute, tu me rassures. Donc comme ça veut dire que je peux bien vieillir. Hein. Les mille, ça compte pas. Bah si ça compte, attends, elles ont le droit. Heureusement. Enfin, vous savez, hein, du moment qu'on fait du mal à personne, hein, les personnes, elles, voilà. Qu'on soit vieux avec une petite jeune ou vieille avec un petit jeune. Si les deux sont OK, hein. C'est ça en fait. Hein. Du moment que ça fait de mal à personne, franchement. Et que eux, ça leur fait du bien. Bah oui. On va mettre un petit peu de curry. Est-ce qu'on met un petit peu de curry? Bon. Ouais, on va mettre un petit peu de curry. Quoi que. Bah, soit ça me tombe bien, là, non, on va rester sur ça en fait. Hein. Hop, donc vous avez vu, toujours pas de sel, sauf dans les frites, sauf dans les chips de patates douces, hein, je vous ai dit pourquoi. Ah, t'es pas d'accord, gastro? Bon, après, chacun pense ce qu'il en a pensé. Hein. Du coup, chacun vit sa vie, voilà, c'est ça. Alors, on y va. Donc là, du coup, je vais mettre sur mon poulet.
Et qu'on va mettre ça au four. Bah écoutez, j'espère que. Bon, ça devrait être bon, je pense. Bah, c'est pareil, en fait, j'ai jamais fait. Hein. Avec le confinement, c'est trop bien. Du coup, je teste plein de trucs. Voilà, je pense que je vais pas trop me planter non plus. Hein. Elle a pas dit ce que. Non, Gastro, elle a pas dit ce que tu as compris. Le ménage, c'est pas ton point fort. Bonjour, Captain. Bah, super. Captain Zeib. Ah, vu ton âge canonique, je sais pas. Ah non, tu t'es pas. Attends, Captain en roue libre. Ouais, grave. Tu t'es pas fâchée, Gastro, dans ce que j'ai dit, j'espère. Hop là. Hop. Du coup, bah écoute, on va mettre ça au four une vingtaine de minutes. Hop. Et on va s'occuper de la pâte à tarte. Oui, la pâte à tarte, le clafoutis, ça sera un petit. En clafoutis, en fait, on va juste mélanger les ingrédients. Et ouais, donc à la place de la crème, j'ai mis le skyr. Enfin, on mettra du skyr pour que ça reste protéiné et healthy. Du coup, on s'enlève un peu de gras en fait avec la crème. C'est surtout la fermeture du tiroir qui n'est pas. Et en plus, vous voyez ce que j'ai, hein? Non, vous voyez pas ce que j'ai? C'est mon tiroir chocolat. Ah, Captain, ok, très bien. Le kir, ah oui, parle-moi. Attends, c'est quoi? Des tannels. Non, par contre, je vais te parler de la crème de châtaigne que j'ai découvert, franchement. Donc du coup, c'est Doom qui m'a fait découvrir, qui m'a parlé de la crème de châtaigne. Et du coup, j'en ai acheté aux courses, là, quand j'y suis allée, donc c'était lundi. Franchement, c'est juste trop bien. Bon, vous voyez que ça descend un petit peu, quand même. Donc oui, le petit skyr royal gastro, effectivement. Donc vous voyez, on peut, voilà. En fait, quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire, vous pouvez vous faire plaisir très souvent. Et voilà, c'est juste des ajustements à faire. Par exemple, voilà, le steak haché, donc ce que j'avais dit, au lieu de prendre celui qui est à 20% et qui va faire 260 calories, vous prenez celui qui est à 5%. Ok, c'est un petit peu plus cher, mais vous prenez celui à 5% et, lui, il est à 150 calories, je crois. Donc là, vous avez déjà gagné 110 calories. Voilà, donc c'est ça qui est trop bien. Donc du coup, on peut quand même se faire des petits plaisirs. Hein. Bon, après, je fais aussi du sport pour compenser et tout. Hein. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, ça recommande. Donc merci Doom. Et en fait, donc du coup, Doom, donc il me l'a recommandé parce que j'arrivais à la fin de mon pouce rapière. C'est une liqueur d'Armagnac qui est juste trop bien. Et vous m'en prenez ça avec un mousseau en fait. Et voilà, donc du coup, donc Doom m'a conseillé à la place la crème de châtaigne. Voilà. Vous savez tout. Donc je vous montre ce qu'il y a dans mes placards. Oh ouais. Dans les bières. Ah, dans les bières, la crème de châtaigne. Ah bah tu vois, mais oui, c'est comme tu sais, les demi. Si, j'aime bien en été et tout, un petit demi. Moi, c'est demi pêche, je kiffe. Ouais. Il y a demi-fraise aussi qui est pas mal. Ouais, mais tu sais quoi, moi aussi je suis pas fan du tout de l'armagnac et du coup j'ai découvert cette liqueur et en fait t'as un espèce de petit goût ouais, qui est juste trop bon. Et moi aussi je suis pas du tout fan d'armagnac et le whisky je te raconte même pas. En revanche, un petit Irish coffee, là ça passe. What? Comme moi, demi-pêche. Ouais, demi-pêche, ouais, exactement. Quand il fait chaud et tout, là du coup quand t'as une terrasse et tout, c'est trop bien. Un petit demi-pêche là. Du coup, je mets mon poulet pendant 20 minutes. Ah, j'ai pas fait mes nouilles. Hein. Et on part sur 180 degrés. Est-ce que je mettrais pas juste un tout petit peu d'eau pour pouvoir. Je vais mettre un tout petit peu d'eau avant pour pouvoir l'arroser quand même. Hop. Je veux pas qu'il soit sec. Hop. Ouais, je vais quand même mettre un tout petit peu d'eau, mais on va y aller mollo. Je vais le mettre en bas. Je sais pas si c'est utile hein, ce que je fais. Hein. Voilà. Genre, faire. Doom, tu sais si c'est utile ce que je fais. Avec ta. Ah, mais grave! Mais même, je peux même déglacer avec le pouce rapière et tout. Mais quelle bonne idée! En même temps, demi-pêche, c'est juste la base des bases. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'était Monaco. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était le Monaco que je prenais. Mais bon, c'est un petit peu moins. Là, le rendez-vous des poivrons. Non, mais c'est trop bon l'alcool. Mais toujours avec modération. Hein. Ah, mais ouais, t'as trop raison. Déglacer avec la crème de châtaigne et
même purée, même le, ouais, le pousse rapia, j'avais pas pensé, mais ça serait juste trop bon. Ouais, bah écoute, merci Doom. C'est clair. Voilà, j'apprends plein de choses, j'apprends tout le temps, c'est juste génial, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Voilà, donc du coup, bah ça, hop, je vais le garder. Enfin, je vais le faire rapido à la poêle quand j'allumerai. Et comme ça, je donnerai à mon chat. Il sera content. Voilà. Gâchis. On est bien. Fais juste attention, c'est très sucré et ça risque de faire un caramel. Ok. Ouais, bah j'irai, tu sais, avec la petite dose, avec parcimonie. Et ouais, du coup, bah ouais, comme ça, je verrai le goût. Donc, petit point vaisselle. Et après, on se lance dans le clafoutis. Dans le clafoutis, et après notre tarte, et on sera bon. Alors, attendez, je trouve pas mon étrange. Oui, elle est là. Bah oui, c'est toi qui. Non, c'est moi aussi. Là, c'est moi qui ai lancé le sujet. Hein. Mais du coup, le mojito, ouais, hier soir, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Mais je crois qu'il me reste ouais, une autre bouteille. Donc, du coup, je l'ouvrirai devant vous. Je sais pas s'il m'en reste un, faudrait que je vois. En fait, la grande question, ça sera qui n'a pas bu pendant le confinement? Non, c'est pas aux cerises, désolé, c'est rhubarbe. Non, pas de mojito, gastro. Non, pas ce midi, là, c'est bon. Hier soir, c'était bien déjà. Non, donc, ouais, aujourd'hui, c'était la rhubarbe. Donc, hop, c'est gastro qui a imposé les ingrédients. Donc, du coup, on avait rutabaga. Et si je trouvais pas la rutabaga, rhubarbe. Mais du coup, j'ai trouvé les deux. Donc, j'ai pris les deux. Donc, nous avons clafoutis rhubarbe. Ouais, je sais, il y a beaucoup de monde qui aime pas. Alors là, c'est la recette de Yann Couvreur, qui est un grand pâtissier. Donc, du coup, je me dis que ça devrait quand même être bon. On va voir. Et du coup, il me reste de la rhubarbe. Peut-être que demain, on fera une tarte à la rhubarbe. Je sais que, voilà, il y en a qui n'aiment pas et tout, mais moi, j'ai un souvenir d'enfance qui est juste magique. Je kiffe. Donc, c'est bien au niveau plan vaisselle, en migre. Il n'y a pas beaucoup de choses. Hop, c'est bon. Okay. Et hier c'était Tchernobyl, hein, je tiens à vous dire. Quand je vous ai quitté et tout, c'était Tchernobyl dans la cuisine. Et voilà. Alors, on fait comment pour goûter tes plats à la fin? Ouais, c'est compliqué, je vous les montre. Hein. Ouais. Ah non, bon, t'inquiète Marie. Non, t'as rien raté. Là, du coup, en fait, on a mis le poulet. On a mis le poulet et là on va partir sur le clafoutis. T'as tout raté, c'était au niveau de. J'ai montré la crème de châtaigne, le pousse rapière, les petites liqueurs que tu sais que j'aime bien avec un mousseux. Enfin voilà, un truc. Donc du coup, tu... je te les remontre. Je sais pas si t'as vu. Et donc du coup, en fait, ce que je disais, c'est que bah, pendant le confinement, j'ai découvert donc, la crème de châtaigne grâce à Doom parce que je disais que j'arrivais à la fin, tu sais, de mon pousse rapière. Et donc du coup en fait il m'avait conseillé ça et franchement et qu'on le trouvait facilement en course parce que lui en fait tu le trouves pas facilement en course et c'est relou. Et donc du coup voilà, donc, du coup je vais montrer ça. Pousse rapière, ouais le pousse rapière c'est trop bon, je suis d'accord. Ouais, je suis trop d'accord. Et les histoires d'âge c'est quoi ça? Ah ouais. Ouais parce que les histoires d'âge, attends c'est qu'est-ce qu'ils disaient les gars? Je sais plus sur les... Attends, qu'à 40 ans... déjà que je faisais jeune, donc ça c'est très bien. Non, mais je disais qu'à partir de 30 ans, il y a Gastro qui a commencé à dire que qu'à partir de 30 ans, la vie des femmes est terminée. Alors que moi je disais qu'au contraire, à partir de 30 ans, moi c'est là où j'ai, enfin pas plus 30 ans, mais genre depuis que j'ai l'âge de 27-28 ans, bah justement je m'épanouis de plus en plus parce que je me connais et je. Ouais, c'est ça, t'as vu, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je me connais, je sais ce que je veux. Alors quand t'as 20 ans, tu vois, les filles, elles savent pas forcément ce qu'elles veulent. Et donc du coup, voilà, ça. Donc voilà, donc je disais qu'à partir de 30 ans, on est dans plein d'épanouissement. Voilà. Et je pense que ça continue. Allez, viens me voir un petit coup. Merci, Gastro. Ouais, tu vois, Marie, bah, c'est pareil. Moi, tu vois, je suis rentrée dans la trentaine et enfin, je l'appréhende nickel. Et oui, forcément, je vais aller vers mes 40.
Et bah, moi je trouve ça génial en fait, parce que vraiment, enfin, voilà, on sait ce qu'on veut et on est bien en fait. Donc c'est juste trop bien. Donc désolé gastro, à 30 ans, notre vie n'est pas terminée. Il est bourré gastro, faites pas attention. Il n'y a pas que moi, ouais. Bon bah ça va. Je vois pas de quoi tu parles, ouais, tu m'étonnes. Donc ouais, la question ça va être qui n'a pas bu pendant le confinement? On exulte après la trentaine, ouais, je suis d'accord Marie. Complètement. Du coup, on va faire un autre clafoutis. Alors, donc là, ça va être hyper simple. Donc, on va mélanger la farine, poudre d'amande toujours, donc poudre d'amande parce que du coup, ça nous rapporte toujours des protéines. Donc, on va mettre 60 grammes. Je vais voir la taille pour que ça rentre, vous savez, dans les petits cercles. Voilà, on va faire là-dedans. Et s'il y en a un peu plus, de toute façon j'ai un deuxième cercle, on mettra un deuxième cercle. Attendez, je ferme. Voilà, ok, parfait. Donc on part donc sur. Bah c'est toujours à peu près 50 grammes. Hein. Donc on a 50 grammes de farine, 50 grammes de poudre d'amande, j'ai mis 60 je crois. Tu connais la recette pompette? Pompette, non? Pompelope, ouais, mais pompette. Ah, les recettes pompette, si! Oui, c'était juste trop bien. L'émission, elle s'est arrêtée. Ouais, avec. Comment il s'appelle le présentateur de Canal? Il est trop bien. Enfin, il est rigolo. Hein. Si, ouais, les recettes pompette, c'était trop bien. Il y en a qui étaient top. Ah, ouais. Pompelope, ouais, c'est ça. Ouais, Pompelope. Mais c'est dommage qu'il a arrêté parce que c'était vraiment, vraiment sympa, quoi. Les plus secs et tout, non mais mon dieu. Je ne vous ferai pas un string avec des verres plus secs. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc du coup, on part. Hop, sur 60 grammes. Ouais, je vais rester sur les proportions de Yann Couvreur. Hein. Je pense qu'il s'y connaît mieux que moi. Ah ouais, 60. Ouais, donc ça va faire une grande part. Moi, je veux pas une grande part. Bah, je vais diviser mes quantités encore par deux en fait. Ouais, donc du coup on va partir sur 30 grammes. Donc là nous avons 30 grammes, nous avons ouais, 5-6 grammes de protéines, c'est bien. Alors, Monsieur Poulpe, c'est ça, merci Cafard, exactement, c'est Monsieur Poulpe. C'était une dinguerie. Ouais, je suis d'accord, c'était vraiment bien. Alors, bah, Domingo, Water, on en fait un des streams pompettes. Ah ouais? Donc en fait sur Twitch je pourrais. Ouais mais c'est chaud, alors là franchement je pense que vous n'avez pas envie de me voir complète. Hein. Donc du coup, on va prendre notre farine. Donc du coup on va mettre 25 grammes de farine. Donc il dit de mélanger tous les ingrédients secs. Et après les liquides. Donc on part sur 25. Donc toujours farine semi-épeautre hein, qui est plus intéressante que la blanche. Hop. Voilà. 10. Et celle-ci, au moins, je sais que si j'ai besoin que ça lève, ça lève. Le clafoutis n'a pas besoin que ça lève, donc du coup, c'est bon. Donc j'étais à 30, c'est bon. Ensuite, dans les trucs secs, on a aussi. Alors, lui, il met du sucre. Moi, je vais pas mettre de sucre. Enfin, je vais mettre juste du sirop d'érable. Je vais mettre deux cuillères à, bah, une cuillère à soupe, du coup, quand on a divisé les quantités. Et c'est moi le bourré ici. Tu peux, il ne faut. Il ne faut juste pas en faire l'apologie. D'accord, ok. Ah bah écoute, nickel alors. Laissez-moi le bourrer ici. C'est le confinement, hein, ça nous va trop bien. Bon bah écoute, hein, ça a à réfléchir. Ouais, ça a à réfléchir, ça a à réfléchir. Mais du coup, à quel moment je bois des cul-sac? En fait, c'est vous qui devriez me trouver les défis, c'est ça? Ouais, bah ça a à réfléchir. Mais bon, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Bon, au bout de 3-4, bouhou. Déjà, bon, en temps normal. Voilà, un peu surexcité, mais entre 4. Hein. Hop là. Du coup, on va partir sur hop, mon sirop d'érable. J'en ai un autre. On va faire un filet. Donc, sirop d'érable à privilégier par rapport au sucre blanc. Voilà, donc là, il y a des trucs, des nutriments intéressants pour votre corps, pas dans le sucre blanc. Du coup, il est où mon autre? Il est là. Hop.
une cuillère à soupe. Donc du coup, ça fait 10 grammes et on a 26 calories en fait dans la cuillère à soupe. Mais voilà, c'est 26 calories qui sont qui vont être intéressants pour notre corps. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ça risque d'être chaud, quoi. voilà. Bah écoutez, on va mélanger et après on va mettre le skyr, l'œuf. Donc du coup, il disait un jaune d'œuf. Ouais, je vais pas partager un œuf en deux, quoi. C'est compliqué. Bon, je vais récupérer le jaune d'œuf qu'il a dit. Pour l'instant, je vais mettre juste le jaune d'œuf. Et on verra. Ouais. Ouais, si je divise les quantités, là, c'est un peu compliqué. Bon, bah écoutez, on y va. On va mettre juste le jaune d'œuf pour l'instant. Et on va récupérer le blanc en omelette. Protéines en plus. Bon, en fait, je vais mettre juste un œuf entier et puis c'est tout, hein. Parce qu'en fait, il dit un jaune d'œuf et un œuf. Donc du coup, je vais mettre un œuf en entier. Voilà. Allez, c'est parti. Vous verrez les résultats avec moi. De toute façon, c'est, on teste des trucs, hein. Hop. Du coup. Ah non, il me semble que l'appareil est un peu coulant. Là, il n'est pas coulant. Je vais rajouter mon skyr. Ah non, je crois que ouais, c'est bon. Je regarde juste mes légumes, mais bon, je pense que. Ah, regardez les chips. Ouais, c'est ça que je vous disais. Ah ouais. Bah, elles se sont rétractées, mais pas comme je voulais. Alors, attendez, une belle ou pas? Ouais, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous savez, sur la chips de Rutabaga, en fait, quand elle cuit, elle se rétracte et ça forme une petite fleur. C'est juste trop joli pour la présentation à l'apéro. C'est trop bien. Vous avez vu? J'avais une ex, la pauvre. C'était vraiment terrible. 4 grammes. Oh purée, tu m'étonnes. Oh, oh. Ah ouais, c'est chaud. Bon, il y en a qui ont un peu chauffé. Bon, bah écoutez, je vais les retirer. Et je n'ai pas pensé à arroser. Hop là, on va arroser juste les légumes. Les légumes, on parle un petit peu. Et là, les chips, du coup, je vais les sortir et on va échanger. J'en ai d'autres. Bon, ça commence à cuire, c'est bien, c'est bien. Hop là. Ok. Bon, je vais avec les mains. Voilà, je l'imbibe bien de sauce. Comme ça, ça sera beau. Hein. Et je vais remettre un petit peu d'eau, comme ça, du coup, je vais récupérer encore un peu de sauce. Donc, toujours, on va ouvrir. Et même si on met que de l'eau, ça a quand même du goût. Plutôt que rajouter du beurre, de l'huile et tout. Voilà. Hop. Du coup, je retire mes petites chips. Et on va mettre les autres. Voilà. Et là, il m'en reste. Alors, désolée, je suis pas avec vous, j'arrive. Voilà, ok. Bon, bah, c'est bon, comme ça, on aura un petit peu de chips. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai à... Bon, elle devait être en coma éthylique, ouais, tu m'étonnes. 4 grammes, c'est chaud. Et je crois que le record du monde de d'une personne qui était... c'était combien de grammes? Ouais, je sais plus, c'était énorme. What the fuck? Ouais, tu m'étonnes. 4 grammes, ouais, c'est vraiment... Bah ouais, c'est ouf. 2 grammes, c'est... Bah déjà que 2 grammes, je pense que t'es pas bien. Hein. 4, t'imagines? Mais c'était régulier ou c'était une fois de temps en temps? Oh, tu m'étonnes, mais à gérer, ça doit être ouf. Mais du coup, le clafoutis, j'ai dit que j'allais le mettre là-dedans, mais pas du tout. Parce que je veux qu'on le voit, qu'il soit joli. C'est là-dedans que je vais le mettre. Donc, ben, j'ai pas mis les chips au bon endroit. Voilà, chips. Ça m'a l'air d'être croustillant. On va laisser un petit peu et après on fera le test. Du coup, je vais relancer ça. Je te promets que j'ai vu que mes... Ah, c'est 9 grammes. Ok, merci, merci Cafard. Ouais, c'est ça, 9 grammes, t'imagines.
Oh là là, un truc de fou. Mais normalement, enfin, c'est. Ouais, t'es à l'hosto, quoi. Petit chapeau Parkinson à 2 grammes. Tu m'étonnes. Ouais, 2 grammes, je sais pas à quoi ça correspond en quantité de verre. Ouais, bonne question, tiens. Pour l'alcool, sur la consommation illégale ou dangereuse d'alcool. En gros, ça dépendra juste du nombre de signalements que tu auras pour te. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, ça dépend qui. S'il y a des gens qui passent. Ouais, et qui. Ouais, qui disent à Twitch, ouais, elle est en train de faire de. Ok, d'accord. Ok, bah merci Doom. Au moins, je le sais, quoi. Donc écoutez, on va réfléchir encore un petit peu. Hein. Du coup, la future, on va mettre là-dedans pour que ce soit joli. Et donc, on va partir sur le skir. Donc, 70 grammes. Du coup, il faut que je mette 35 grammes. Hop. Donc, le skir, ouais, c'est vraiment pour remplacer la crème fraîche. Et du coup, ça va donner un petit peu de texture. Mais là, je vois que c'est pas l'appareil n'est pas liquide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du lait écrémé. Ouais, juste un tout petit peu, un bouchon, je pense. C'est vrai que le skir, il est plutôt épais en fait. Voilà, juste un petit bouchon. Donc lait écrémé, c'est pareil, donc à privilégier. Comme ça, vous gagnez quelques calories par rapport au lait demi-écrémé. Alors, j'y vais doucement. Ouais, voilà, nickel. Bon, je vais pas en mettre plus, hein. J'ai juste mis 3 gouttes pour que ça se détende. Attendez, je vous montre. Voilà, là. Donc là, du coup, c'est complètement détendu. 3 gouttes, parfait. Très bien, j'espère que ça va marcher avec le skir. Ouais. Alors non mais j'hallucine. Ah ok, ouais. Sans faire la folle en faisant des cascades ou en conduisant. Ok, d'accord, je suis safe. D'accord, ok. Bon bah très bien. Viens en conduisant. Ça va, ça vient. Track une semaine. Ouais, mais grave. C'est vrai ça. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais. 8-6 litres. Attends. Quoi? 8-6 de 1 litre? Non. Oh, je crois que j'ai pas compris, c'est pas possible. Oh. Ah, merci pour le follow, Daddy Roscoe. Ah bah oui, Daddy Roscoe. Oh, merci. J'ai pas vu le petit Totoro qui est passé. Ah, des bières, ok, d'accord. Ok, ok. Oh, purée. Wouhou, je me suis dit, waouh! Mais 1 litre, hein, t'imagines quand même? Oh, oh là là. Donc ça fait presque. Ouais, ça fait 1 litre, 8, 6. Ouais, ça fait ouais, du 6 litres. Oh là là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ok, bon bah écoute, hein, y en a qui étaient motivés quoi. Alors du coup, j'ai ma rhubarbe. Donc on va faire exactement. Là du coup, c'est des framboises congelées. Donc voilà, j'ai rendu l'eau, je les ai sorties ce matin. Avec des framboises fraîches, je pense que ça sera 10 fois mieux. Mais tant pis, bah, je vais faire avec ce que j'ai. Donc du coup ma petite rhubarbe, alors la rhubarbe aussi était congelée, donc du coup hop, voilà, j'ai trouvé congelée donc voilà, hop, donc on va faire des petits bouts, on va mettre en bas, voilà, ici. Et du coup le but ça va être que l'appareil qui est là recouvre la rhubarbe, donc on va voir. Ouais, bah là on est bien. Allez, c'est parti. Je peux prendre ma valise. Ah pour 4 grammes, il faut en boire des nids. Ah ok, d'accord, ouais. Donc là... Ah, tu t'abonnes... ouais, merci Daddy Roscoe. Ouais, c'est gentil. C'est pour mon sourire. Yes, merci. À 8h du matin avec des flashs de vodka. Waouh, 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 wow, purée. Et donc du coup, ouais, t'es encore en contact avec elle, tout va bien avec le confinement. Non, je rigole, c'est pas gentil. Hop, ouais, donc là c'est bien, ça va recouvrir. Allez, vas-y, go. Bon, il va pas être très épais. C'est pas grave. Bah non, il a dit que c'était... Voilà, ce qu'il fallait, c'est juste que ça recouvre. Bon, bah écoutez, on est très bien. Et il a expliqué que pour les framboises, donc si on veut qu'on voit bien les framboises dans le clafoutis, il faut juste les poser. Et pendant les cuissons, en fait, elles vont juste redescendre un tout petit peu. Et du coup, elles seront en visu. Mais voilà, il a dit qu'avec les framboises congelées, c'était pas gagné. Voilà. Donc du coup, vous allez avoir des framboises congelées, vous n'aurez pas le...
Voilà, le beau clafoutis de Yann Couvreur. T'as des news gastro? Elle va mieux? Ouais, c'est ça, si elle a des news. Tu vas finir comme elle. Non, non, t'inquiète, on va sortir du confinement, on va reprendre nos habitudes, on va être bien. Ouais, bah d'ailleurs, moi j'ai des nouvelles lundi. Lundi, je vais savoir. Alors, à première vue, de ce que je sais d'une copine. Alors, en fait, ce que je vous explique. Donc, les directeurs ont été réunis par les inspecteurs vendredi après-midi. Non, hier après-midi, on n'était pas vendredi. Hier, on était quel jour? Ah, bah oui, on était jeudi. Donc, hier après-midi, il y a eu des réunions de directeurs avec les inspecteurs et ils ont appris des nouvelles choses. Nous, notre directrice, elle a dit, on fait une visio lundi. Donc, elle ne nous a pas dit ce qui s'est dit. En revanche, moi, j'ai une copine où sa directrice l'a appelée et lui a dit, donc, comment ça allait se passer? Donc, comment ça va se passer? Il va falloir qu'on sonde les familles de ceux qui veulent mettre leurs enfants à l'école. Et donc, en fait, on aura des enfants de toutes les classes. Donc, on ne récupérera pas notre classe, en fait. Et on fera garderie. Voilà. Parce qu'en fait, on ne pourra pas faire de programme avec des enfants de différents niveaux. Voilà. Donc, du coup, on fera la garderie. Voilà, pour permettre aux parents de pouvoir aller bosser. C'est cool, hein? Et donc du coup en fait se pose le problème de et le travail que je dois faire pour mes CP-CE1. Je le fais à quel moment? Si je suis en classe toute la journée, je fais comment en fait? Voilà, donc je saurai plus lundi après. Je suis sûre que ce petit moment vous a saoulé, donc on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça, on va faire garderie exactement. Ah oui, avec des pruneaux, ouais, c'est très bon aussi les pruneaux. Ouais, je suis d'accord. Le phare, ouais, c'est vrai. Ouais, on va faire garderie, c'est exactement ça, pour permettre aux parents d'aller bosser. C'est cool, hein? Et par contre, mes CP et mes CE1, bah, enfin voilà, à quel moment je vais m'en occuper, quoi. Bah, de toute façon, on va voir. Hein. De toute façon, lundi après-midi, RDV. Voilà. Bon, bah, du coup, attendez, je mets encore un petit peu de fromage. Je les enfonce pas trop, comme il a dit Yann. Yann, hop. Et le poulet, je pense qu'il serait peut-être temps. Hein. Oui, je suis maîtresse. Je suis maîtresse CPC. Hein. Ouais. Voilà. Allez, le dernier. Bon, j'ai pas très bien mis les framboises, apparemment. Attendez, celle-ci, elle est un petit peu jolie. Voilà. Et donc, il dit de remettre des petits traits de rhubarbe entre les framboises. Voilà. Et donc du coup en fait aussi en fait du coup Blanquer il a refilé le bébé au maire des villes et apparemment ça commence à être un casse-tête et les inspecteurs ont l'air d'avoir refilé le bébé aux directrices. Donc du coup c'est la directrice qui va devoir prendre des décisions. C'est bien, hein, c'est vachement bien. Hein. Bah, il y a des directeurs hein, qui ont pris la décision de ne pas ouvrir. Hein. Bon, bah écoutez, ça ressemble à ça. Je vais pas le tourner parce que sinon il y a tout qui va dégager. Qui n'a jamais été amoureux de sa maîtresse des primaires? Ouais, tu m'étonnes. Alors attendez. Avec l'énergie que tu as, les gosses doivent t'adorer. Les gosses me kiffent. J'avoue, ils me kiffent. Après, quand je suis. Voilà, je peux rentrer parfois en mode dragon. Bah en fait, et c'est ça qui est fou avec les gamins. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, les parents ils sont tout le temps potes avec leur gamin, alors que c'est pas ça qu'il veut le gamin. Le gamin il veut juste un cadre et quelqu'un en qui en fait il peut avoir confiance et voilà, il se réfugie quand ça va pas bien. Et donc, du coup, ouais, le cadre il est bien posé en classe et ils savent en fait que voilà, qu'on rigole pas, mais voilà, les moments où on délire en fait, bah ils savent que voilà, c'est le moment où... En fait, on peut faire les deux avec eux. Et il y a des parents qui n'ont pas compris ça en fait, imposer un cadre et délirer avec eux. Et oui, enfin, tous les. Voilà, attendez, c'est le melon. Ouais, bah, chaque fois en fait, bah, les élèves me disent, ah, tu nous prends l'année prochaine, voilà. Donc, c'était le moment melon, voilà. Tous les jours, je retourne par un manger. Quand elle casse la craie sur la table, dès qu'elle passe les jambes sur le bureau, je me fous de la chaise. C'est de la musique, ça. Mais oh, mais... Non, mais gastro, hein. Pas moi, cafard. Ah, t'as un mètre en mince. Hein. Ouais, les bonhommes, bah ouais, et puis il y en a qui sont très bien. Hein. Franchement, il y en a qui sont vraiment très bien.
J'étais tellement le con qu'il fallait un homme pour me calmer. Ah, donc vous étiez dans le genre les petits cons? Eh ouais. Mais quand on est petit, on sait pas en fait. Donc du coup, ouais, puis petit. Moi, dans ma classe, franchement, j'ai pas de. Alors, j'ai un élève qui est très difficile. Mais là, du coup, c'est pas. Voilà, c'est pas de mes compétences. Voilà. Donc les parents, ils en sont bien conscients et tout. Et même eux, en fait, voilà, ils n'y arrivent pas. Donc, du coup, voilà. Donc notre clafoutis est prêt. Et moi, pas de chance, une maîtresse. Ah bah mince alors. Ouais. Non mais c'est vrai que. Ouais. C'était le tocard que tu mets au fond de la classe à côté. Ah bah tu sais que moi ceux qui me perturbent la classe, moi ils sont devant. Devant, à côté de moi. Et donc je fais exprès d'aller à côté et tout. Ouais. Mais ça va dans la classe, c'est pas le bazar. Ça va, j'ai de la chance. En fait, c'est simple. En début d'année, en septembre, ils vous testent. On va tout regarder tous les. En septembre, ils vous testent jusqu'à octobre. Ouais, yes, ça fait joli en plus. Et s'ils voient en fait que, bah en fait que les punitions. Non, attendez, pas les punitions. Attends, on va appeler ça différemment. Ouais, c'est nickel. Bon, ça n'a pas grillé, mais. On va regarder avec un couteau. Pas qu'ils sont trop cuits. Oh, ça m'a l'air bien, c'est tendre et tout. Oh, bah écoutez, hop, je vais laisser 2 minutes. Et le poulet m'a l'air parfait. Et du coup, je vais mettre le clafoutis à côté. Et on va calculer 20 minutes. On va regarder les légumes aussi. Mais il faut qu'on fasse la tarte. Je vais mettre la tarte. Ouais, voilà. Donc, il vous teste jusqu'en octobre. Et après, s'il voit que voilà, vous avez tenu tout ce que vous avez dit, vous avez fait exactement ce que vous avez dit que vous feriez, si vous, si, voilà, si vous avez la mémoire de quand vous dites un tel ça à un tel et tout, bah après, hop, c'est bon. Il y a le cadre. Et après, normalement, il ne vous embête plus. Sauf la petite histoire que je vous avais racontée quand j'étais partie une semaine pour former des stagiaires et tout. Là, ils avaient un petit peu merdé. Donc ça, c'était l'an dernier. C'est pas ceux de cette année. J'ai une année, une classe très difficile. Hein. J'ai un élève qui m'a traîné sur plusieurs mètres par terre. Ouais, c'était vachement sympa. Mais ben, lui aussi, il avait des soucis. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Ah, depuis 1 h 30. Ok, d'accord, je relève pas. Hein. Non. Attends, les 150. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ceux qui ont 1 mètre ont tous. Attends. Ceux qui ont 1 mètre ont tous sombré dans l'alcool. Cafard, c'est trop drôle. Ah, je ne pense pas. Mon étude est basée sur 2 personnes. Ouais, donc ça marche pas. Quand tu fais une étude sur 2 personnes, ça marche pas. Lol, ouais. Excellent. Non, moi j'ai eu des. Ouais, si, moi il y avait un gars, un remplaçant qui était venu, parce qu'en fait il y avait une autre maîtresse qui s'était fait agresser par un parent et tout, donc du coup elle s'est mise en arrêt. Et du coup on a eu un remplaçant pour cette classe, classe hyper difficile. Hein. C'était l'an dernier. Et du coup le gars était vachement bien. Il avait réussi à récupérer bah, justement les gars qui étaient un peu durs dans la classe. Et je pense que pour les gars qui sont durs, 1 mètre c'est pas mal. Parce que la femme, j'ai quand même envie de vous dire que c'est presque. Ils n'ont pas de respect en fait. Voilà, je voulais dire, enfin, je suis dans un quartier qui est difficile, hein, pour ça aussi. Alors, selon Raoul, tu n'es plus basée sur 2 personnes. Bigfoot qui revient. Ah, c'est qui le deuxième? Attends, le deuxième. Là. Tu ne te sens pas concernée, non? Tu m'étonnes. Ouais, bah ouais, c'est clair. Donc, t'es bon, cafard. Trop drôle. Bon, gastro, on dirait, hein. Ouais, c'est vrai que c'est mon Raoul. Hein. 2 personnes, ça suffit, quoi. Du coup, on va aller chercher notre petite tarte. Donc, je vais ranger Misterbe. Enfin, je vais ranger. Non, il va falloir que je plante Misterbe. Du coup, je vais le mettre là avec mon compost. À côté. Là, ouais, c'est clair. C'est le crack incompris, ouais, bah ouais. Bah, hier soir, je crois qu'il est passé sur BFM, mais je n'ai pas regardé. Mais bon, le gars, il disait que. Bon, bref. On verra hein, s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ça. Hein. Puis c'est marrant, j'ai envie de vous dire, si les Chinois n'ont pas trouvé, pourquoi ils n'ont pas trouvé? Bon, après.
Nos scientifiques sont excellents par contre. Ça, par rapport à d'autres pays, franchement, on a des excellents scientifiques. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de place et là je vais nettoyer, comme ça on va pouvoir faire notre petite pâte. Du coup, en fait, la pareille qu'il va y avoir dans la tarte, donc ça va être comme la dernière fois parce que c'était bon avec la tarte aux asperges. Donc, du coup, on va mettre du skyr, toujours du skyr, hein. Skyr, feta. Et bah, je vais remettre tomates séchées, tiens. Ouais, parce que j'ai ma boîte. Il faut que je termine. De toute façon, je l'ai ouverte, donc il faut que je termine. Je m'en fous, je bois pour oublier. Gastro, c'est trop drôle. Ouais, au niveau école. Alors, attends, tu parles en élémentaire ou pas? Parce que, ouais. On est 25e hein, sur 26, je crois, hein, dans le PISA. On n'est pas bon du tout. T'as même des pays de. J'ai une serbe dans ma classe. Elle est juste fantastique. Même les pays, en fait, il y a des pays d'Europe de l'Est. Bon, j'ai rien contre les pays d'Europe de l'Est. Hein. Ah, en école supérieure, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a, bah, il y a HEC, ouais, il y a des grandes écoles, quoi. Et les meilleurs, je crois que les meilleurs, elles sont beaucoup en Angleterre et aussi aux États-Unis. Hein. Le MIT, il y en a plein qui sont réputés, là. Normalement, ça ne me revient pas. Prépa ingé, ouais. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Mais tu vois, ouais, les écoles sont bien, ouais. Vers chez moi, j'ai une école de étrangérienne. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que bah, dans ces écoles-là, il faut payer l'année. Mais après, en fait, ça se fait de plus en plus. Vous savez, vous faites un emprunt pour payer vos études. Et après, en fait, vous le remboursez quand vous sortez et que vous avez un job. Parce que généralement, vous avez un job tout de suite après. Et plutôt bien payé. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Et du coup, ça sur leur avenir, en fait. Je trouve ça plutôt bien. Merci. Ouais. Ah, attends. Allemagne 1, Royaume-Uni 2. Ah, tu vois? Ouais, la France pour les études supérieures. Ouais, pour les études supérieures. Parce que je pense qu'il y a eu un gros écrémage. Et en études supérieures, en fait, les gens qui y sont, ils savent pourquoi ils y sont. Contrairement à l'école primaire, en fait. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'échecs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que voilà, c'est ceux qui veulent aller plus loin, quoi. Du coup, la pâte. On avait des poulets, on va le sortir. Bah, je vais vous montrer, en fait. Hein, c'est tout... Mais il est tendre au milieu, donc c'est juste parfait. Voilà. Bon, du coup, c'est vrai que... Bon, voilà, c'est un poulet à la moutarde, quoi. Je sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, ça sent très bon. Donc c'est très bien. Voilà. Donc c'est un peu blanc et jaune. Voilà, c'est... mais il n'y a pas de matière grasse. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça après. Du coup, notre verre, il reste là. Hop. Et les légumes, on va peut-être les arroser. Bon, si tu fais payer 100 000 le billet d'entrée, tu commences à avoir les motifs. Ouais, c'est ça, effectivement. Après, il faut avoir les capacités, hein, parce que rentrer en prépa et tout, il faut que... Quand même, à cet âge-là, enfin, on va avoir une certaine maturité. Je suis alsacien et mix franco-allemand. C'est qui le roi? Gastro, trop fort. Moi aussi, je suis un peu allemande. Du coup, on va arroser ça et on va faire notre pâte. Allez. Ça commence. Je pense que les légumes, ils sont bien là. Voilà, off là. Pâte à douce, on est bon. C'est la rhubarbe en fait. La rutabaga. Je pense que j'aurais peut-être dû la couper en deux. On va le faire maintenant parce que je crois qu'elle ne cuit pas en fait. Je vais l'ouvrir, je vais voir. Hop. Parce que là, la patate douce, elle est nickel. Hop. De toute façon, après, c'est... Donc ne faites pas ça chez vous. Ah non, bah si, hein, comme elle est bien là. Attendez. Hop. Bon, pas grave, avec les mains. Du coup, c'est dommage, je voulais la garder en entier. Voilà, si vous voulez la garder en entier, bah du coup, vous aurez plus de cuisson. Là, je vais l'ouvrir. Hop. Je pense encore un petit quart d'heure. Et la patate douce. Ouais, encore un petit quart d'heure quand même. Allez. Ça va être trop bon. Bah du coup, j'en profite pour arroser, non? C'était ça à la base que je devais faire. Pas beau, je trouve. C'est qui là? J'ai les odeurs de cuisine de mon chéri qui remontent, ça me donne l'impression que c'est chez toi. Ah bah génial! Et il fait quoi ton chéri? Et donc du coup il cuisine quoi? Ah c'est trop bien!
bon. Voilà, ah, j'ai écrasé. On a nos ail confit, les petits oignons, parce que c'est hyper bon pour la santé. Donc allez-y, oignons, ail, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc du coup, il cuisine. Ah, surprise quand tu descendras. Ok, ah, c'est sympa ça, c'est cool. Madame la maîtresse, je m'excuse de vous reprendre mes rutabagas. Ma... Ah mince! J'ai dit la rutabaga. Ah, tu fais bien de me reprendre pour la maîtresse. Au secours, quoi. C'est le mojito. L'excuse à deux balles, tu sais. Alors, du coup, on va prendre notre pâte. Alors, je vais faire comme ce que font beaucoup de gens. En fait, ils vont refiler le bébé à quelqu'un. Donc, en fait, c'est la faute de Gastro. Parce que Gastro, hier, il m'a incité à faire des mojitos hier soir. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Bon, du coup, on va avoir une belle pâte à tarte. Donc, non, je rigole. Je rigole. Du coup, on va se mettre cette planche-là. Voilà. Donc, là, je vais me cramer les doigts. Bah, allez. Bon, non, non, ça, là. Les chips n'étaient pas encore bonnes, hein, donc du coup, je ne les ai pas sortis. Voilà, donc on va avoir notre planche. Et là, je vais être bien. Donc, elle est un peu collante, du coup, on va mettre un peu. Moi, ça me dérange pas. Hein. Du coup, si elle est collante et qu'elle est avec du fait avec du skir, c'est juste parfait. Comment ça? Ah ouais, Kata. Ah, c'est double premier lac. Ouais, je sais, t'imagines? Oh là là. Ouais. Mais j'ai encore fait des bêtises hein, cette semaine. Hein. C'était. Oui, je vais éviter. Je vais éviter. Et surtout les torchons, tu sais, quand ils sont mouillés, que je prends dans le four, en fait, bah, je fais pas attention, mais du coup, en fait, comme c'est mouillé, bah, je me crame les doigts. Donc, on va. Celui-ci est mouillé. On va prendre celui-ci. Comme ça, quand je vais au four, celui-ci, c'est bon. Merci, Marie. T'as fait un master œnologie option sommelier. C'est vrai? Alors, attends. Moi, je ne sais pas, mais j'aime que tu n'as pas du tout la force. Non, ça va. Ça a été easy, en fait. Hein. Non, mais tu. Ah, c'est pas vrai! On avait un sommelier qui était passé, vous vous souvenez une fois? Bah, du coup, il est pas revenu. Bon, tant pis pour lui. C'est con, il aurait bien voulu qu'il me donne des noms de bouteilles et tout. Il y avait Mike aussi, je crois. Que, je sais pas si c'était lui, du coup. Il était passé par là. Voilà, bah écoutez, notre pâte à base de farine et de skyr, elle est hyper souple. Vous vous souvenez, on l'avait fait pour, bah, en entrée pour une tarte aux asperges, là, dimanche dernier. Donc la pâte était parfaite en salé. Par contre, c'était en sucré. On l'avait fait en sucré, j'avais juste mis du sirop d'érable, je sais plus ce que j'avais mis. En sucré, c'était pas bon du tout. Classe CAP, laissez-moi tranquille. T'as un CAP cuisine? Moi, il y a plein de trucs. Là, je suis en train de regarder des techniques en fait que je ne connais absolument pas. Ah, mais c'est trop bien! Oh, ouais, c'est clair. Mais je me tâte, hein, j'aimerais bien passer un CAP. Bah, soit peut-être pâtisserie ou alors nutrition, je sais pas. Parce que du coup, mon diplôme de maîtresse, bon, c'est cool, hein, mais. Bon, j'ai un autre diplôme parce que j'ai fait autre chose avant. Mais ouais, ça me tente bien en fait. Et du coup, en fait, j'ai plein de choses à rattraper en cuisine, quoi. Alors, on va étaler. Bah, j'ai bien fait, comme ça on va pouvoir bah, bien goûter le feta, c'est formateur. Oh, bah oui, tu m'étonnes. Tu penses être avec grosse bâche, je te fais un complément de dessert à l'assiette, j'ai pas trouvé. Ah, mais c'est excellent ce que tu racontes, Ichine. Donc tu fais des saisons, et les saisons, bah, c'est hyper formateur. Bah, du coup, tu vois plein de choses différentes. Et c'est pareil, tu sais, quand t'es maîtresse et tout, quand tu changes d'école, enfin, ça apporte plein, enfin voilà, il y a plein de choses positives. C'est vrai que les saisons, je pense que. Bah, après, c'est vrai que t'es pas stable, quoi. Le film cocktail tous les jours pour la technique des boissons. Non mais gastro, non. Ok, bah hâte de voir ça quoi. Ouais, moi il y a bah, les mojitos, du coup, bah, je l'ai acheté là lundi aux courses, comme ça écrase bien. De l'autre côté, enfin, j'en ai un rouge, mais voilà, j'avais pas pensé à le prendre en fait. Hein.
J'ai pensé à prendre mon, ce que je vous avais dit, mon emporte-pièce Totoro. Mais pas ouais, le truc Mojito, non. D'ailleurs, je mets des sous de côté pour m'ouvrir un petit resto. Ah, mais c'est génial! Ça serait... Ah, mais t'es dans quel coin? C'est trop bien! Ah, t'as un beau projet, franchement, c'est trop bien. Un de mes rêves. Ou un camion à pizza, tu sais que ça marche vachement bien les camions à pizza et tout. Hein. À Grenoble, ok. Ah, oh, ouais, c'est cool. Ah, un beau projet, hein. Très bien, super. Bah, du coup, je viendrai manger alors. Voilà, donc là on est bon, on va la pré-cuire 10 minutes et après le clafoutis, il faut pas que j'oublie, le clafoutis, il faut pas que j'oublie. On va refaire les petits trous. Donc du coup la dernière fois j'avais oublié de faire les trous sur les côtés, donc ça avait gonflé un peu. Je vais pas oublier cette fois-ci. Ah mince, il avait dit de mettre un petit peu de beurre dans le clafoutis. Bon c'est pas grave, de toute façon je vais pas le démouler, donc du coup vous le verrez joli transparent. Après on prendra la cuillère. C'est surtout le réveil qui est dur là. T'inquiète, je connais la renta des pizzas. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Gastro. Ricard, ça va faire n'importe quoi. Arrête, cafard, c'est vrai que je mets une tonne de champignons sur ma pizza. Bonjour, GR4RL. Après, j'ai la facilité marketing. Je suis d'origine italienne. Mais c'est génial! Et t'as des petites astuces là pour les pâtes à pizza à nous donner? Donc ça j'essaie, il faut la faire la veille pour qu'elle prenne bien et même la mettre au frais je crois. Et même si tu, et je crois que 48 heures avant c'est encore mieux. Un truc de fou. Tu es plus dans l'autre cuisine. Eh oui, c'est vrai, t'as raison. Non, depuis le confinement, je suis ici. Par contre, bah, week-end prochain, bah, en fonction de l'indice que ma directrice va me dire. Donc lundi, en fait je vais en savoir un peu plus parce qu'en fait je me demande s'ils ne vont pas proposer en fait qu'il y ait certains enseignants qui viennent à l'école mais d'autres qui continuent de travailler à distance ou je sais pas. Mais en tout cas non ouais j'ai changé de cuisine. Et donc du coup ouais, voilà. Donc ça va se décider lundi en fonction de, voilà, de ce que ma directrice va dire. Et du coup, bah, je verrai si je reste encore ici, si je fais le travail à distance ou si, bah, si je vais en classe en fait. J'espère qu'ils nous laisseront quand même le choix. Hein. Ok, donc là. J'ai trop tiré. La pâte, elle est toute fine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que je suis en train de, voilà, de rabibocher. Donc là, du coup, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Après, ça se voit pas, on verra pas. Voilà. Ok, donc là on est bon. On va le cuire à blanc. Des petits trous, sur les côtés, on n'oublie pas. Et du coup, tu vas bientôt nous. Non, non, du tout. Ah non, non, je continue mes streams. En fait, je kiffe être avec vous. Ah non, non. Je continuerai les streams. Et du coup, en fait, bah, le mercredi, sûr et certain, je ferai un stream. Le week-end aussi. Et j'aimerais bien vous retrouver. Après, on verra, hein, mais plus le soir. Ouais, je suis maîtresse en CPCE1. Ouais, je sais qu'il faut mettre des poids, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Donc, du coup, j'ai piqué. Bon, ça a marché la dernière fois, c'est pas trop monté. Donc, ouais, je sais. Mais j'ai pas les poids. Ouais. Non, non, du coup, ouais, les streams, je vais continuer, franchement. Donc, ouais, du coup, je verrai peut-être en fin de journée. faire le stream sport en fin de journée et cuisine. Donc, sur le mercredi, sur un pendant le week-end. Et un le soir. Donc si vous avez, voilà, si vous êtes dispo le soir, on se fera un petit stream cuisine. Thym plus graines ou même des cailloux. Alors attends. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est les jours qui changeront en fait. Bah, ceux que où je suis en classe, du coup, lundi, mardi, ouais. Mais après, on se retrouvera tout cet été, hein. Parce que déjà, je pense que bah, déjà, mon voyage au Japon, c'est mort, c'est dead. Mais par contre, ouais, donc du coup, je reviendrai ici, juillet, août. Alors, du coup, on est parti pour 10 minutes à 180. Le clafoutis avance, avance. Très bien. Bon, du coup, ouais, j'ai pris des framboises surgelées, donc elles rejettent un peu d'eau. C'est pas grave. Mais vous le faites avec des framboises fraîches et tout, si vous pouvez.
et voilà, le clafoutis. Il sera très bon. Alors, on est parti. On va juste regarder les légumes, je pense qu'on est bon. On va faire petit point vaisselle. Film plus graines ou même des cailloux. Ah, des cailloux, j'ai pas pensé. Bah oui, ça j'en ai en fait. Oui, il y en a. J'ai pas pensé. Ouais, d'accord. Bah, je le saurai. Bah, prochaine fois que je fais le fond de tarte, je mettrai les cailloux, je les laverai avant. Mais oui, grave. T'es pas dispo en fin de journée? Oh, t'inquiète, cafard. Là, après le sport, tu sais, je dis ça, mais je pense que j'aurais passé la journée avec les enfants et faire attention à tous les gestes barrières, ci ou ça. Peut-être que voilà, mon cerveau il sera un peu fatigué. Donc peut-être que je ferai voilà, le sport, voilà, ce sera vraiment. Ou peut-être que je ferai deux streams dans la même journée. Voilà, le week-end. Voilà. De toute façon, je vous dirai. Mes filets, j'ai mis 20 minutes. Mais ils sont là. Hein. Je les ai sortis, cafards, ils sont là. C'est bon, ils ont pas cramé. Bah ouais, je les ai sortis. Ouais, c'est ça en fait. Donc, c'est plus ça qui me fait peur. Faut suivre. Merci. Hein. Merci, Marie. T'as pas vu? Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, mais c'est plus ça qui me fait peur en fait. Et vraiment. Et puis en fait, c'est porter la responsabilité en fait. Est-ce que toi, t'as bien fait tout attention pour les enfants? Il me reste un bout de pâte, donc je sais pas, on fait une petite tarte. On va mettre ça là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est porter cette responsabilité de est-ce que tu as tout bien fait. Et sur une journée, hein, parce que là, en fait, ouais, c'est ça, c'est sur une journée. Parce que là, en fait, il y a des roulements, en fait, qui sont organisés. En fait, les enseignants, ils sont pas toute la journée avec les élèves. C'est des roulements. Et donc là, du coup, tu seras toute la journée avec les élèves. Donc, ouais, je sais pas. Ça me paraît un peu compliqué. Du coup, il reste un petit bout de pâte. Bah écoutez. Ah bah non, sucré, j'avais dit que c'était pas bon. bah voilà, hop là, pas de gâchis. En plus, ça va rendre pile poil. Donc, du coup, pareil, on va le faire cuire et puis on va regarder ce qu'on va mettre dedans. C'est le plat qu'elle a failli faire voler. C'est clair? Comme ça, c'est bon. Donc ça part avec l'autre. Ah bah, on n'a pas de place avec la petite. Ah, mais j'ai oublié les chips. Wouhou. Bon, il en reste quelques-unes. Bon, c'est pas grave d'être grillé, c'est bon. Allez. Bon, celle-ci, elle est un peu trop grillée quand même. Hein. Donc, ouais, du coup, c'est hyper joli. Bon, là, j'ai pas l'impression que ça croustille. Je crois que je les ai fait trop épais. Et là, ça croustille ou pas? Mais il y en a qui croustillent. Non, j'ai fait trop épais. Bon, c'est pas grave. Et du coup, le cramé. Ouais, ça a trop le goût de cramé. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était joli. Voilà, c'est trop mignon. Donc, ouais, il faut vraiment couper fin. Là, j'ai mis trop épais sur la trancheuse. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Et toi, tu vas là. Allez, on va faire l'appareil. Donc on va faire l'appareil à cheesecake, n'importe quoi. Donc on va mettre feta, donc du coup vous avez vu, là je finis tout. On va mettre feta, skyr et tomates séchées. Bah, au niveau des quantités, on va voir. En fait, il faut vraiment que ce soit juste... ça recouvre. Donc là, attendez, bah, il faut que je pèse. Ah. Bon. Vous avez rien vu, hein. Ok. Donc là, on va peser. Ok, c'est parti. 70, je pense que je vais bien mettre 150 grammes. Ouais, je crois que j'avais mis 150. Hein. Comme ça remplit bien la tarte. Donc là, du coup, il y a plein de protéines. Il y a presque 150 grammes, ça va faire 20 grammes de protéines. C'est pas mal, hein? Plus la feta. Donc feta, toujours à 9%. Voilà, prenez quand
moins de matière grasse, du coup ça fait des calories de gagner. Et ouais, donc on est toujours à 19 grammes de protéines, en fait je vous l'avais dit la dernière fois, c'est toujours la même chose. Donc du coup on part sur 50 grammes, ça fait qu'on aura 8 grammes de prot, donc ça fait 8 et 20, mais écoutez, c'est pas mal. Alors, moi je crois que je vais tout mettre en fait. Ouais, là ça fait 30. 50, bah écoutez on met ça. Donc il y aura 60 grammes de feta et on va mettre une tonne de tomates séchées parce qu'à la fin en fait on ne sentait pas trop le goût. Je vais mettre un petit peu. Tu peux me rappeler ce que c'est que le skyr? Ah, le skyr, c'est un fromage, enfin un fromage. C'est un fromage blanc suédois. Et en fait, ça a la texture qui est juste trop bien. Ça vient d'Islande, non, c'est pas suédois. Donc, voilà, donc ça se présente comme ça. Et en fait, c'est un goût plutôt... c'est meilleur que le fromage blanc. Et en fait, il est hyper intéressant parce qu'au niveau des protéines, donc par exemple, tu prends un petit pot. Attends, je monte mon petit pot. Donc dans ce pot-là, en fait, il fait 140 grammes. Donc déjà, c'est pas du tout calorique. Il y a 81 calories. Donc ça, en dessert, c'est franchement, c'est juste top. Et ça te blinde, laisse tomber. Hein. Si vous voulez avoir le ventre blindé, ne jamais avoir faim, en fait, il faut que vous mangez tout le temps des protéines. Et du coup, en fait, dans ce pot, tu as 14 grammes de protéines. Donc ça, c'est juste génial. Et ça se marie hyper, mais c'est juste trop bon avec le miel. C'est juste un délice. Voilà, c'est juste trop bon. Tu le trouves hein, dans les supermarchés et tout. Et donc, du coup, en fait, ouais, c'est pour pouvoir vraiment avoir le côté protéines, en fait. Et par contre, le goût, c'est 10 fois meilleur que le fromage blanc. Et la texture, en fait, c'est onctueux et tout. Enfin, voilà, je sais pas si je l'ai bien vendu. L'Islande ancienne, ouais, c'est ça. Bonjour, Daddy Rosco est avec nous. Non, c'est le follow, excuse-moi. Tu manges combien de calories en moyenne? En moyenne, je pense que je suis à... Ouais, pas mal, hein. Allez, mon petit déj, le matin, il fait 300. Le midi... Je calcule les petits verres d'alcool. Le petit verre de rosé aussi. Alors écoute, je pense que je suis vraiment bien à 2000 calories par jour, voire 2200. Ouais, 2200 je pense, un truc comme ça. Après, j'ajuste, tu sais, en fonction du sport. Si je vois que j'ai trop mangé, bah, je vais peut-être faire un petit peu plus de sport. Donc cet après-midi, je vous rappelle qu'on se retrouve pour le sport. Hein. Voilà, je vais ajuster comme ça en fait. Et par exemple, si je vois que j'ai trop mangé... par contre, le cheat meal, ça c'est le cheat meal. Hein, ça, les M&M, ça c'est tout, c'est tout, c'est tout. D'accord, merci Maya. Et gastro-piqué, bien. C'est clair. Ouais, c'est ça, comme un fromage. Mais ça n'a pas du tout le goût de fromage, hein. C'est vraiment... elle claque les 8000. Ouais, bah c'est clair, avec le... dans le mojito, j'avais regardé les calories, je crois qu'on est à peu près à 150, à ma version à moi. Hein. Donc du coup, on est à 150. Ouais, je dirais que... Sachant que quand j'ai un autre mode de vie, quand j'étais au travail et tout, là en fait c'était différent. En fait la semaine, le midi, c'était salade, enfin, les trucs, mes graines, on m'appelle Miss Graines, parce que j'ai mon petite boîte avec mon muesli et mes noisettes, mes noix de cajou et tout ça. Donc là, ces jours-là, en fait, je suis plus vers 1600 calories, parce que même le soir, je mange pas beaucoup et tout, en fait, voilà, je vais manger une salade en fait, contrairement à ici là où je mange quand même pas mal de choses. Voilà, donc ça va plus être, quand je vais reprendre le travail, ouais, je serai plus à 1600 en fait la semaine, du lundi au vendredi. Et par contre samedi et dimanche, là en revanche je me ferai plaisir. À partir du vendredi soir je me fais plaisir jusqu'au lundi matin. Voilà. Voilà. T'es bête, c'est impressionnant tout ce que tu... Ouais, ouais, moi aussi, je suis contente. Et du coup, en fait, tu sais, c'est vraiment des ajustements. Enfin, voilà, je fais attention, en fait, à tout ce que j'achète. Et je pars à la chasse au gras. La chasse au gras. Et donc, du coup, je gagne des calories, tu sais, sur certains produits. Et ça me permet de manger, de manger tout ce que je veux, en fait. Voilà. Par contre, tu vois, le paquet de M&M's, je vais me l'enfiler. Allez, ça va être une fois... Là, c'était pas bien. Au début du confinement, j'en ai trop mangé, quoi. Ouais, ça c'était pas bien du tout. Et du coup, lundi, j'en ai pas racheté aux courses. J'ai dit que non, je reste sur ça. Petite sucrerie que vous pouvez prendre et qui est hyper bonne, par exemple le soir avec votre café. Du chocolat noir. Donc, du coup, c'est pareil. Là, il y a ajustement. On prend pas du chocolat au lait, on prend du chocolat noir à partir de 70%. Et plus vous allez monter en pourcent, désolé, je refais la pub de mes produits préférés. Plus vous montez en pourcent, en fait, donc là, c'est du bon gras.
et très peu de sucre. Donc du coup, chocolat noir le soir, voilà, si vous avez envie d'un petit truc, voilà, allez-y. Mais je suis contente de vous montrer que voilà, il n'y a pas besoin forcément de se priver pour regarder la ligne, quoi. Donc du coup, voilà, par exemple, typiquement, ça c'est un ajustement. Je ne vais pas acheter le Salakis classique, en fait, je vais prendre celui qui est à 9%. Comme ça, du coup, je vais gagner des calories sur ça. Plutôt que 20%. En fait, c'est plutôt prendre des calories inutiles. Voilà, des petits ajustements. Donc du coup, on va mettre des tomates séchées. Par contre, c'est vrai que j'ai cette hygiène de vie, donc ça fait un an maintenant. Et le sport, hein, le sport aussi, la muscu en fait me permet aussi de. Sachant que dernièrement, là, cette semaine, c'était quand même. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ça, après, de toute façon, on se retrouve, on va se faire un petit hit. Vous allez voir, ça va être génial. Ouais, surtout tout ce que je bois, ouais, tu m'étonnes. Ah bah écoute, super. Essaye, franchement, tu m'en diras des nouvelles. C'est vraiment. Et essaye avec du miel. Oh là là, mon Dieu. Et si t'aimes le beurre de cacahuète, prends plutôt purée de beurre de cacahuète. Et là, laisse tomber, c'est le pur bonheur, quoi. Ouais, je sais. Alors regarde, technique. Je l'avais pas fait hier pour les muffins, mais technique quand c'est gras. Regarde, hop. Je fais pareil avec les anchois, je sais, c'est pas bien. Parce que du coup, j'enlève un petit peu de goût. Hop. Voilà, petite technique. Après, on a le droit de manger du gras une fois de temps en temps, hein. Voilà. Du coup, voilà. Là, bah voilà. Ça, c'est typiquement aussi un ajustement. Voilà. Je vais enlever un maximum d'huile. Donc, du coup, ces calories-là, elles ne sont pas dans mon corps. Après, c'est vrai que c'est plus, bah, ça sera plus goûteux, forcément. Mais vous allez voir. En fait, il faut s'habituer à avoir tout le temps ce goût d'huile, en fait. On est trop habitués. Ok, donc du coup, ça, c'est bon. Et j'ai pas oublié ma tarte. Mon fond de tarte. Ok, le fond de tarte, il est bon. Et comme ça, on n'aura plus que l'appareil à mettre. Et c'est bon. Ah, le clafoutis est prêt. Alors, attendez. Non, pas avec les doigts. Ça sent trop bon. Bon, du coup, les framboises, elles ont rendu un peu d'eau. Mais regardez, c'est trop bien, c'est trop joli. J'espère que ce sera bon. Et du coup, voilà. Bah, on voit le dessous. Hop là. Hop là. Yes. Ah, je suis contente. Bon, bah, merci Yann pour l'heure. Hop. Je récupère mon fond de tarte. Et on va mettre l'appareil. Et je vais éteindre pour les légumes parce que là, je pense qu'on est bon. Hop. Je vous les montrerai après, les légumes. Je salive déjà. Ouais. Ouais, grave. C'est clair. Et du coup, par exemple, bah, pour les apéros, bah, hier, typiquement, je vous ai montré bah, voilà, le type d'apéro que je peux faire. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, je vais beaucoup manger parce que je vais prendre des ingrédients qui sont pas, qui vont pas grossir. Donc voilà, je passe ma vie à manger. C'est trop bien. Et sinon, dans les viandes, bon après, ça c'est. Ouais. Donc dans les viandes, prenez les viandes à 5. Le rump steak, vous avez le beefsteak. Il y a 2% de matière grasse dans le beefsteak, c'est un truc de fou. J'ai halluciné. Donc la côte de bœuf, c'est une fois de temps en temps, un gastro, donc on oublie. Voilà. Donc c'est les ajustements qu'on peut faire. L'agneau, c'est hyper gras. Donc voilà, vous avez les filets de poulet aussi qui sont intéressants, le poulet rôti. Poulet rôti aussi, bah ça c'est très bien. Même s'il y a un peu de gras de la peau. Mais ça n'empêche pas en fait. Voilà, les petits ajustements qui permettent de plus manger. Ah, parce que je vous dis, hein, moi midi quand je suis à l'école, j'ai ma petite entrée, j'ai mon plat, j'ai mon petit yaourt avec mon miel et j'ai mon bol de muesli, quoi. Donc ouais, ça va, pas mal quand même. Donc ouais, j'aime bien manger. Ben, le quoi? Non, cafard? Un pesto rouge de tomate, j'ai trop envie. Oh, quelle bonne idée! Elle est là, la tarte! Oui, j'ai fait. D'abord, j'ai fait cuire à blanc. Hop. Et maintenant, on va le remettre. Ok, donc là, je finis avec les tomates séchées. Bah, du coup, ouais, parce qu'il va me rester les tomates séchées. Donc, je vais faire ce que tu me dis. Un pesto rouge de tomate. Attends, je vais noter. Et du coup, peut-être que je vais le faire en stream avec vous. Un pesto. Ouais, je sais pas si je veux, je prends mon téléphone.
Allez, on va mettre le fond de tarte après. Alors, pesto, pesto. Donc, je vais voir dans quoi je pourrais l'inclure comme dans le programme. Du coup. Parce que demain, c'est kebab, hein. Kebab healthy. Pesto. Ouais, des tomates séchées, t'as raison, grave. Tomates séchées. Hop, c'est noté. L'autre, pas la grande, la petite. Ah oui, tu as raison, il y a le mini. Oh, mais tu suis, mais grave. Le mini. Ah, mais le mini, là en bas. Ouais, c'est bon. Le mini, là. Bah oui, tu as raison, j'ai éteint le four. Ouais, t'as raison. Ouais, les légumes, ça a un peu cramé en fait. Ouais, encore un petit peu. Ouh, j'aurais dû arroser avec de l'eau. Mince. Bon, c'est pas grave. En fait, ça a très fortement caramélisé. Bon, c'est pas grave, les légumes, ils seront pas. C'est juste le plat qui a caramélisé. Donc. Du coup, je vous montre. Hop. Voilà, ça a caramélisé là. Ah! Voilà, donc ça, c'est les petits légumes. Très bien. Bon, et la tarte. On y va pour la tarte. Le four, il est allumé. C'est bon. Ok, donc du coup, on part donc sur fromage blanc, feta, tomates séchées. Et on va mettre nos rondelles de. Hop là. De rutabaga. Voilà, et on va faire un peu joli. Là-haut, c'est encore allumé, hein? Oui, oui. Ok, en bas. Donc, je vais mettre la petite. Non, pas avec le petit là-haut, en attendant. Mais du coup, j'ai rien pour le remplir. Hein. Bon, bah écoutez, ça va me servir. Cet après-midi, je vais regarder ce que je vais faire, ce que je vais mettre dedans. Voilà, là-haut, c'est bon. Alors, on y va. Avec les gnocchis. Attendez, attendez, parce que là. attendez, j'ai raté. Je termine ça. Je vais mettre en rosace. Voilà. Bon, mais écoutez, ça va être pas mal. Voilà, donc le goût de la rutabaga, normalement, j'espère l'avoir atténué. Ah bah, just, hein, j'avais dit 8. Ah, ça aurait été joli, une au milieu. Bah non, j'en ai plus. Bon, bah mince, ok. Bon, attendez, on va essayer de faire semblant. Non, ça marche pas. Bon, on y est presque, dommage, il manquait une rondelle. Hop, donc du coup, ça donne ça. C'est joli les couleurs, hein, c'est trop bien. Alors, du coup, je récupère. Fayot, donc je vois Fayot, pesto de tomate, on sait jamais quoi faire avec le fond de tarte. Et un pesto, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fayot numéro 2. Non, non, pas Fayot, je suis pas d'accord. Avec les gnocchis, ah ouais, bah les gnocchis, ah, les gnocchis, qu'est-ce que c'est bon. Bon, du coup, on avait fait le test la dernière fois, mais c'était pas terrible. Du coup, on part sur hop, un petit quart d'heure de cuisson. 15 minutes. Et on est parti. Bon bah écoutez, on va ranger un petit peu ce bazar. Du coup mon skir là, je pense que petit à petit vous allez en entendre moins en moins parler, mais il me reste encore un pot. Encore un petit pot, voilà, je finis avec le petit déj, voilà. Donc je pense que de l'autre côté, après je trouve que c'est vachement utile hein, pour les pâtes et tout, et les appareils aussi. Si on veut faire un cheesecake avec ce que vous voulez, en fait le skir ça marche trop bien. Et du coup vous avez de la protéine plutôt que du gras. Pour d'originalité, tu peux les faire aussi avec des haricots verts. Ah, le pesto! Oh là là. T'as des recettes, franchement, ça donne trop envie, quoi. Alors, attendez, on va déjà faire un petit rangement. T'as envoyé d'autres photos de ce que t'as cuisiné? Prends tes pâtes, tu sais, ça, ce qui ressemblait à la bolognaise, franchement, ça, oh, c'était ouf. Enfin, franchement, c'était hallucinant, quoi. Avec des protéines de soja. Juste bluffant. Et le plat, il faisait mais trop envie. Et c'était de la pâte à ravioles, je pense que c'est ça que tu avais, tu sais, pour faire la pâte, pour faire les lasagnes. Les espèces de petits carrés qui étaient à côté. Oh, ouais, c'était. Oh, la photo, elle est trop bien. C'est sur Discord, là. Vous pouvez aller voir. Oh là là. Du coup, ça c'est bon. Ça en est bon. Je fais petit rangement.
Alors, comme j'aime bien la petite bouteille, donc je transvase mon sirop d'érable dans ma petite bouteille. Je pense que ça a l'air là-bas. À verre, mais c'est parce que j'y pense là. Ok, du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à changer le sucre blanc par du sirop d'érable. Sirop d'agave, il commence à y avoir un petit peu de retour négatif. Donc, ouais, moi, c'est pas plus mal que je sois au sirop d'érable. Après, j'en ai un. Voilà. Elle est jolie, la bouteille. Hein, du coup, ça, je vais le mettre là-bas. Voilà. Et le ragoût, trop simple à faire. Ouais, les ragoûts. Mais les ragoûts, tu vois, à chaque fois, c'est pareil. J'ai un peu de réticence. Je sais pas. C'est des trucs que j'ai jamais fait. Alors, hop. Voilà. Désolée, je range ça. Ça va. Ça va. C'est bon. Donc je vais faire un petit point message et là du coup je reste à côté. Je reste avec vous. Bon bah écoutez, cet après-midi on se retrouve alors vers les coups de 17h. Et là on fera. Je pense qu'on partira plus sur les abdos. Si ça vous va. Abdos. Et donc on fera le HIIT. HIIT. Alors le HIIT, je pense qu'on va le faire tout le corps. On va essayer de réveiller un petit peu tout le corps. Et après on sera axé donc exercice abdos et gainage. On va faire du gainage. La sauce ragout à l'italienne. Ouais c'est ça, c'était ça. La photo, laisse tomber, c'était trop bon. Ok bah super. Donc Cafard t'es avec nous cet après-midi alors. Mais attention hein. Une bolo pour résumer. Oui c'est ça. Attendez, mince. Voilà c'est bon. Une bolo. Ouais c'est ça, ouais ouais. Mais bon, le nom est beaucoup plus classe. Hein. Voilà, sauce ragout à l'italienne. C'est beaucoup plus joli. Alors, on va mettre ça. Voilà. Les planches, c'est bon. Hop là, ça c'est le dessert. Du coup, on le met à la fin. Le poulet, les légumes, les chipstas. Donc, vous avez vu, hein, y a quand même pas. Les ragouts, il y a bien à manger là. C'est juste trop bien quoi. Alors non, j'ai la fête du travail qui débute pile à 17h. Je ne pourrais pas, mais j'ai un mot d'excuse. Ah d'accord, ok. Ok. Bah tu fais comme tu peux. Hein. Du coup, donc ouais, on partira sur full body, je pense. Et puis à chaque fois, bah, comme d'habitude, les trois séries de muscu. Peut-être voir, peut-être quatre. Ouais. Voilà, exo-abdo. Donc là, je vous dis... Et du coup demain donc on se retrouvera pour le kebab. Donc le pain, ouais, donc le pain, pain bah, spécial maison, hein, pain healthy et la viande. Et de toute façon vous verrez la viande c'est hyper simple en fait. Je pensais pas, j'ai vu la technique, c'est juste trop cool. Et du coup maintenant je me demande s'il n'y a pas des viandes que je préparerais comme ça. Parce que c'est hyper. Vous savez, c'est comme chez les Japonais quand les petits morceaux de viande là, qu'ils mettent par-dessus, c'est trop bon. Et du coup en fait cette technique là qu'il apprend. Enfin vraiment que ce soit fin. Que ce soit petit. Bon bref, on verra demain. Vous verrez demain. Hein, hein. Je fais des pâtes à le ragoût, c'est plus sexy que des pâtes bolo. Ouais, je suis d'accord. Doom. Mais moi, je dirais comme toi maintenant. Donc, tu sais, quand tu présentes... Ouais, c'est clair. Bon, si t'as des invités, mais bon, pour l'instant, on sait pas. Et tu présentes le plat et tu dis, voilà, pâte à la sauce ragoût. Hein. Trop bien. La classe, quoi. Plutôt que la, voilà, sauce bolo. Hop là. J'ai fermé, hein, tous les placards sont fermés, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Quelle heure s'il te plaît demain pour le kebab? Exceptionnellement je serai à l'heure, je vais le tester. Demain, bah 10h. 10h, ouais tu sais, 10h, 10h10. Et je crois qu'il faut le faire mariner, donc ça il faut pas que je dise de le faire mariner aujourd'hui. Ouais, faut le faire mariner un petit peu avant. Voilà, merci Cafard, RDV prix, ça marche. Attends, il faut que ça réussisse hein. Tu sais, il y a aussi cette. Comment on appelle ce petit. La petite condition, quoi.
Mais ouais, normalement le pain on va le faire bien et tout. Bon, ça sera pas la farine blanche blanche, donc du coup il peut y avoir une petite surprise sur le pain, mais il sera quand même bon, comme pour le pain hot dog en fait. Il était quand même bon, même s'il n'était pas tout bleu, enfin voilà, tout marron sur le dessus. C'était bon. Alors du coup, petit point vaisselle. Et vous savez ce qu'on va lancer? On va lancer les popcorn. Les popcorn aussi, très bonne alternative aux chips. La femme du popcorn. Et comme ça fait un petit apéro. Hop, healthy, toujours. Les popcorn. Donc il n'y a même pas besoin d'être. Vous mettez aucune matière grasse. C'est juste magique. On va juste prendre nos petites graines. Donc comme d'habitude, petite pub hein, en fin d'émission. En fin d'émission, en fin de stream. Hop, l'équivalent d'une poignée. Donc ça fait 30 grammes, 30 grammes, ouais, 20, 30 grammes. Et du coup, vous n'avez que 70 calories. Et pareil, le soir, si vous avez des petites fringales, vous faites un petit bol. Et c'est terminé. Et du coup, vous avez juste mangé 70 calories au lieu d'une tablette en entière ou un paquet de gâteaux. Et là, on a gagné des calories. Pour faire disparaître le gras et faire apparaître les muscles. Ouais, dit-elle alors qu'elle fait des chips depuis 2 jours. Ouais, mais attention, hein, je fais des chips de légumes. Attention. Dans les chips de patates douces, franchement, il faut que vous essayiez parce que c'était vraiment très bon. Rutabaga, je vais... Rutabaga. Si vous aimez le goût du rutabaga, ouais. Moi, ça a plus le goût ouais, de navet et tout. Hein. C'est vrai qu'en chips de légumes... Ouais, patates douces, ça passe bien. Mais rutabaga cuisiné, là, je... Ouais, je vais voir... Doom a récupéré un ingrédient. Ah, Doom a récupéré un ingrédient. Moi, tu me diras, Doom. Excellent. C'est vrai que la pomme de terre n'est pas un légume. Ah oui, légumineuse. Et du coup, c'est... voilà, c'est... Elle n'a pas des choses intéressantes pour le corps. Oignon rouge en légumes, évidemment, ou en tarte. Ok, ça marche. Alors. Ok, ça marche. Oignon rouge. Donc du coup, on fera ça donc, pas la semaine prochaine. La semaine d'après. Ouais, c'est clair. Hein. En légumes. Ok, bon, bah écoute, ça marche. Excellent. J'ai kiffé. Ouais, vrai challenge, tu m'étonnes. Bon, bah il nous reste, je crois, que... ouais, il reste 5 minutes. Et nous pourrons voir la jeune tarte. Hop là. Et donc dimanche on fait, dimanche on fait, nous faisons une moussaka, voilà c'est ça, une moussaka. Bon il n'y aura pas de béchamel hein, donc on va peut-être mettre du skier, hein. Le skier maintenant je le fous partout. Mais c'est bien, moi ça me permet de tester et de voir que bah, si ça résiste à la cuisson, déjà ça se congèle aussi, parce qu'on avait fait un cheesecake citron avec le skier. Et dans le tiramisu aussi il y avait du skier et franchement c'était juste trop bon. Voilà, donc du coup on peut le foutre partout au lieu d'avoir de la crème fraîche, c'est trop bien. Ça va aller si tu as besoin d'aide? Ouais, je te dirai. Je vais déjà commencer à réfléchir et voilà, si je galère de ouf, je te demanderai. Mais en tarte, ça me tente bien. Déjà la tarte, là je commence à avoir une idée. Et du coup, oignon rouge en légumes. Ouais, bah ouais. En légumes, ça me tente bien. Je suis en train de réfléchir. Non, ok. Donc ma planche est bonne. Bon, bah nous allons passer. Je vous refais le topo sur un petit peu sur les plats. Bonjour, je suis Bibote. Ça va? Ah, t'arrives à... Bah t'arrives à pile poil à temps. On attend juste l'entrée et après on sera bon. Ouais. Oui, ça va, ouais. Bah du coup, moi j'aimerais bien qu'ils se remettent à faire beau là. Parce que là, il fait vraiment beau. Mais je crois qu'on a le beau temps qui revient... Qui revient à partir de mercredi, je crois. Je sais pas si vous, il fait beau de votre côté. Hop. Et voilà. voilà, donc du coup, ma chips. C'est dommage, ça crame un peu.
Moussaka. Et donc demain, je vais voir pour faire une petite tarte à la rhubarbe. Comme ça, je vais finir la rhubarbe que j'ai. Pluie depuis lundi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai la même chose. Mais ça, ouais, c'est. Bon, en même temps, c'est pas plus mal parce que du coup, vu qu'on est à l'intérieur, enfin, quoi que. Bon, bronzer un petit peu, c'est pas mal aussi. Ah, du coup, bah, ça s'est bien passé hein, pour la fosse. Hein. Hop là. Bon, bah voilà, pour une fois, il y a tout qui est nickel. Hein. Et vous avez vu, j'ai pas commencé à m'exciter à partir de midi dans tous les sens et tout. Là, on est bien. Là, on est bien. Bonjour, une personne. Salut. Nice, si j'arrive à temps. Ouais, alors donc, du coup, je vais. Bah, attendez, regarde la barre. Bon, encore un petit peu. Attendez. Ça sent bon, par contre. C'est la pâte qui sent. Ça sent bon. Ah, bah voilà. Donc, j'ai oublié la petite tarte. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, par contre, voilà. Ça s'est transformé en galette. Bah écoutez, ça fait des tests. Hein. Hop. Donc, ça s'est transformé en galette. Ouais. Voilà. Bah, on va s'en servir comme pain. Ouais, du coup, c'est un peu croustillant. Attendez, là, c'est croustillant. Ouais, un petit peu. Bon, je vais le remettre encore, comme ça va bien croustiller. Je vais le servir et je vais le garder encore. Hop. Et pour la rhubarbe, bah écoutez, moi je pense qu'on est bon. Je vais vous montrer ça. Ouais. Du coup, j'ai pas mis en gris, donc ça grille pas. Voilà, ça fait ça. Elle est jolie, hein? Donc tarte à la rhubarbe. Alors attends, d'où as-tu botte? Tu arrives juste pour passer à ta. Ouais, c'est ça, exactement. Avec l'apéro, les pop-corn. Bigfoot te persécute, alors attends, il est où? Il te persé merci pour le follow. Il y a Defkong aussi. Merci pour le follow, Defkong. 8233. Et merci pour le follow, Supreme Egg. Bon, c'est cool, hein, parce que là, il y a des trucs que j'arrive à prononcer. Bonjour Defkong, 8233. Et je vais être, pour être méchant, mais t'as pas le niveau, je suis un mec et je cuisine mille fois mieux que toi. Bah écoute, Suprême, bon, pas de soucis. Après, Suprême, si tu veux regarder et juste passer un bon moment, tu restes avec nous, quoi. C'est pas de la grande cuisine. Par contre, quand j'essaierai de vous faire, vous savez, des petits streams, genre spécial macaron, spécial truc. Voilà, je suis pas cuisinière, donc voilà. Moi, je donne juste des petites astuces, en fait, pour faire sortir les muscles et diminuer le gras. Voilà. C'est ça que. Voilà. Bah ouais, c'est ça, lance un live, moi je veux bien, hein. Merci. T'as un corps disgracieux? Ah, donc tu dis que. Ah oui, c'est pour mon corps. Bah ouais, je fais le sport, tu sais quoi? Bah si tu veux changer ça, tu viens en sport cet après-midi. Et après, tu sais, il y en a qui. J'ai vu un gars qui streamait et tout, mais bon, il est pas hyper beau. Mais ce qui streamait, c'était juste trop bien, quoi. Et tu sais, les contichini et tout ça, franchement, il faut pas attention. Hein. Enfin, après, je pense que c'est aussi la qualité que tu vas donner, tu vois. Mais ouais, enfin, si t'aimes ça, franchement, lance-toi, quoi. C'est fou. Franchement, faut arrêter avec les corps disgracieux et tout. Enfin, et ça se trouve, la plupart du temps, vous dites ça alors que c'est pas forcément vrai. Hein. Et donc, attendez, les pop-corns sont bientôt prêts. Et donc, du coup, c'est con de se mettre des barrières comme ça, en fait. Fais-le, quoi. Ah, un ami proche de cafard. En plus, on apprend plein de trucs utiles, comme ne pas remplacer le paprika par le piment de Cayenne. Ouais, merci, Doom. Tu m'étonnes. En tout cas, dans la sauce BBQ, tu m'étonnes. Ouais, enfin, le but, tu vois, c'est qu'on passe tous un petit moment ensemble. Enfin, voilà, je donne des petites anecdotes. Voilà. Je ne peux pas en parler plus, Bigfoot. Et voilà, donc, ça va, bonjour, petit popcorn. Ah, je me manque d'habitude. Je le vois, en fait. À l'œil, maintenant, je sais ma quantité de popcorn. Je crois que j'en ai mis un petit peu moins. Oh, dégoûté. Bon, c'est pas grave. Il y a des chips de Rutabaga à la place. Ah!
Bah, il y en a un qui a sauté. Voilà. C'est trop bien. Donc, du coup, on va faire le petit bol de popcorn. Donc, toujours avec voilà, le moment où je mets du sel. J'ai mis du sel nulle part, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Et c'est parti. Les petits popcorn. Bon, je vais juste prendre comme ça. Ça va être plus simple. Hein. Donc, un petit peu de popcorn. Un petit peu de sel. Voilà, un petit peu, hein, mais bon, il y en a un peu beaucoup. Après, il y a un piment que tu peux tester sans. Et que le piment. Ah, le piment végétarien. Ouais, non. Ouais, du coup. Bah, ouais, t'as paprika aussi. Paprika qui sera ouais, un peu moins quand même que le piment. Mais ouais, ouais, de toute façon, il y a plein de trucs là. Laisse tomber. Déjà, j'ai dit, si je rentre sûr, donc lundi après-midi, je le sais. Si je rentre sûr à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à passer à regarder pour commander des trucs spéciaux. Vous savez qu'on trouve pas facilement et tout. Bonjour Def. Ah bah non, okay, Def. J'avais lu donjon, donc c'est pour ça que j'ai dit bonjour, mais non, on s'est déjà parlé. ouais, je fais des lives bah, demain. Demain, on se retrouve à 10h. Dimanche, on se retrouve aussi à 10h. Et la semaine prochaine, ça risque de changer en fin de semaine. Ça dépend si je dois reprendre le travail le 11 ou pas. Enfin, en physique. Sinon, cet après-midi, il y a le sport si tu veux. Rebonjour, ouais, du coup, non, mais je me suis plantée. Hein. Ouais, bah oui, je sais. T'étais là avant. Ah, d'accord, ok. Bah, je le connais pas, le piment végétarien. Ouais, en plus, je kiffe le poivron, c'est trop bien. Ah, oui, et pour l'apéritif aussi, faites-vous des lamelles de. Merci pour le follow. Hop là. Ah, bah non, c'est moi, j'ai cru voir un Totoro. Faites-vous un. Comment ça s'appelle? Oui, des poivrons, je l'ai dit hier. Il y a plein de vitamines dedans. C'est encore mieux que orange, citron et kiwi. Donc dans l'ordre, hein, vitamines, orange, il y en a le moins. Après, c'est citron. Après, le kiwi, il y a un max de vitamines. Et le best de best, c'est les poivrons. Mais pas cuit, cru. Du coup, voilà mon petit bol de popcorn. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de vous retrouver cet après-midi, donc en tenue de sport, vers 17h. Et on travaillera, donc on fera un full body en fait. J'ai envie de ouais, peut-être faire des burpees, mais pour la reprise, c'est quand même compliqué. Bon, on verra. Je vous dirai. Et demain, ouais, c'est kebab maison et dimanche moussaka. Merci cafard. Ouais, merci, merci, merci. Voilà, donc du coup, on fera un full body et après, donc exercice abdos et du gainage pour terminer, pour être bien. Et ah, merci pour le follow. Là, je viens de voir Toto qui vient de passer. Merci Bulterter67. Et demain, c'est kebab maison, ouais. De kebab et dimanche, c'est moussaka. Voilà. Et les petits desserts, pour l'instant, j'ai tarte à la rhubarbe pour demain. Et on verra pour dimanche. Je ne suis pas encore décidée. Le gras me manque bien trop. Non, mais tu sais, tu peux. Comment ça s'appelle? Tu peux trouver d'autres sources de gras, mais qui sont intéressantes. Par exemple, le beurre de cacahuète. Je l'ai, le gras. T'as le beurre de cacahuète, l'huile d'olive aussi, j'utilise beaucoup. Enfin voilà. Donc non, non, t'inquiète pas, je me prive pas au niveau. Enfin voilà, il y a certains grains qui sont pas utiles. Par exemple, si tu veux mettre du beurre partout, en revanche, j'avoue que c'est très bon hein, quand tu veux. Enfin voilà, si tu vas dans un. Voilà, le beurre c'est excellent quoi. Mais du coup, ouais, je. C'est pas grave, j'en mange un peu moins. Mais ça me dérange, ça m'empêche pas d'en avoir un petit peu une fois de temps en temps, tu sais, le matin, sur une tartine là, c'est trop bon. Et je vais réfléchir aussi à un pain. Bah, ce que je disais. Ah, il n'est pas là. Ouais, un pain protéiné pour petit déjeuner. Comme ça, du coup, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et donc, du coup, alors, attends. Il n'a pas répondu comment il s'appelle. Celui qui... Suprême... C'est Suprême Egg. Ouais, Suprême Egg, du coup, bah, je sais pas si t'es encore là, mais enfin, voilà. Du coup, ouais, bah, lance-toi, hein, franchement. Lance-toi. C'est cool. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Et bon, en attendant, déjeunez bien. Merci pour le live et possiblement à tout à l'heure. Ouais, ça marche. À tout à l'heure, Kafa. Peut-être à tout à l'heure, Kafa. Donc, bisous à tous. Et puis, je vous dis, on se retrouve à 17h en tenue de sport. Allez, bon app. À tout à l'heure. Merci, Bigfoot. À tout à l'heure, tous. Bisous et bon app, ouais.